Bonsoir, le son est bon pour moi, à vous les studios. Ok. Eh bien, les studios, ils disent bonsoir, on est mercredi soir, on est un chouïa à la bourre par rapport à d'habitude, mais c'est pas très très grave. Et du coup, bah, c'est Bellwood, et puis on est reparti. Le résumé va probablement être assez court, c'est à qui de le faire ? Ça frôle. Yes. Vas-y, frôle, fais-nous le résumé. Résumé de la dernière session. Ben, en fait, on a discuté avec tous les profs pour dire tous les liens qu'on avait entre Kren, entre Oswald, entre Figo et Figgins. Et en fait, on en a déduit, et la calamité, c'est vrai, parce que c'est un peu pour ça qu'on est là. Oui, c'est pour ça qu'on s'est fait attaquer plein de fois dans l'avium, lieu censé être ultra protégé. Et en fait, on en a conclu qu'il fallait trouver Ebonheart. On a prévenu le commandant Riffin. Et on est parti rejoindre le commandant Riffin. Et Oswald. Yeah. Sur ce, vous étiez sur la route pour les 3 jours de Brackenmill. Donc pendant ces trois jours où il ne se passera rien sur le trajet en termes d'animosité, vous allez en fait croiser pendant ces 3 jours plusieurs petites patrouilles avec des blasons que vous ne connaissez pas. Ces blasons sont des sortes de rubans rouges sur lesquels de grands pins et une montagne blanche ont été dessinés. Lorsque vous les interrogerez, ils vous diront qu'ils sont la brigade du bois sauvage. Est-ce que vous allez creuser un peu plus loin pour savoir d'où ils viennent ? Oui. Définitivement. Okay. On avait déjà entendu parler, pour ceux qui ne savent pas. Lorsque vous creuserez un peu plus loin, vous apprendrez qu'en fait, il s'agit de la coalition qui a été renommée, remaniée, reformée par Bena Seridan, et qui est devenue une brigade indépendante depuis les Crest Mountain. Leur but étant de détruire ce qu'il restait de la coalition, sécuriser les routes, notamment, surtout dans ce qui concerne l'Est, et protéger le plus possible les habitants et les réfugiés. Vous apprendrez ça sur le premier jour. Vous croiserez une patrouille. 3 personnes. Ok, nice. Ça, ils ont l'air d'être au même niveau que des gardes. Enfin, ils ont pas l'air d'être... Ouais, c'est des gardes. Ceux qui sont... En fait, vous vous rendez compte que ceux qui sont sur la route, là, actuellement, sont des gars qui étaient probablement... Des gardes ou des gars qui ont fait un peu de service probablement à Ashbaro. Donc des gars qui étaient un peu entraînés parce qu'ils étaient en petit comité. Vous verrez plus tard, plus vous approcherez de Brackenmill et plus vous verrez des gens qui ressemblent plus à des réfugiés qui font un peu du travail et qui viennent tout juste d'être entraînés. Ok. Mais ils ne rentreront pas en ville. Puisque Brackenmill a sa propre milice, donc son propre système de sécurité et d'ordre. Bien qu'ils répondent à la garde du perchoir, ils ont quand même leur propre juridiction. Ça, ce sera sur le premier jour. Le deuxième jour, vous aurez la charmante visite de Riffin et de votre chariot, qui vous aura rattrapé, du coup, puisqu'il va un peu plus vite que vous, pour ce long trajet. Et vous pourrez donc continuer le trajet avec lui jusqu'à Brackenmill. Si vous avez des choses à lui demander ou quoi que ce soit, on peut le RP. Sinon, je peux juste vous donner les informations et avancer. Moi, je voulais parler à des gens, mais c'était pas à Riffin. Ok, tu peux toujours parler à des gens. Vous pouvez compléter vos objectifs. D'ailleurs, Gupil, à partir de ce deuxième jour, c'est le moment où tu pourras inscrire dans ton grimoire ton nouveau sort. Tu auras fini, avec le temps de trajet, vu qu'il ne se passe rien, tu auras fini ton travail. C'est quoi mon nouveau sort? Last Transference. Ok. Je crois qu'il était déjà mis, c'est juste que je m'interdisais d'utiliser. Je vérifie, je te remercie.
Et en soi, maintenant, okay. Tu as même le droit d'utiliser. Il fait partie de ton grimoire, à même titre que n'importe quel sort de ton grimoire, donc life prépa, etc. Alors. Ouais, c'est bon, j'ai pris. Parfait. Pour les autres, si vous avez aussi des scènes RP, je sais que Humin, tu auras fini tous tes projets. Ouais. À partir du deuxième jour de trajet, tu auras fini tous tes projets. J'aurai donc une arbalète de points à donner à Moira. Est-ce que tu comptes venir me la donner ? Oui. Au moment où tu viendras me la donner, depuis quelque temps, Moira, elle essaye d'improviser. Disons qu'avec la tige qu'elle a volée à l'avium, sur lequel elle essayait de lancer un sort, avec lequel elle essayait de lancer un sort, sans avoir de professeur, elle improvise. Et elle essaye de caster en boucle prestidigitation pour allumer une flamme sur cette tige. Et elle le fait peut-être plus de 7-8 heures par jour à vraiment essayer de faire brûler cette tige. Et au moment où tu vas venir la voir, elle va être encore en train de faire ça. Et la flamme va être un peu plus grande. La tige va commencer à le sort comme si elle avait réussi ce qu'elle essayait de faire. Puis ça va devenir trop grand. Et ça va commencer à cramer toute la tige, à cramer sa main. Et elle va commencer à paniquer et à le jeter par terre. C'est comme ça qu'il faut faire. Je sors l'équivalent de mon prestidigitation. Puisque je suis un artificier, je sors l'équivalent d'un briquet runique. Je le pointe vers la flamme, je l'active et la flamme disparaît. Moi aussi, je peux le faire. Elle va essayer de lancer prestidigitation pour nettoyer un peu la cendre qui est tombée sur sa main. Ça va pas marcher du tout. Voilà. Pour l'instant, okay, ça marche encore un petit peu. Pour l'instant, ça va essuyer encore un petit peu. Ouais. Moi, je vois deux raisons pour lesquelles ça marche pas bien. Un, ça marche pas bien sur les personnes. Deux, ça marche pas bien parce que vous le maîtrisez à moitié. Mais bon, j'ai fini la moitié de ma partie de notre petit accord. Du coup, je vous ai fait ce truc-là. Ah oui, puisque vous allez probablement en avoir besoin, je vous ai aussi fait des munitions. C'est sur la maison. Merci beaucoup, Humin. Merci beaucoup. Et tu vas voir que elle va commencer à ranger les munitions et en prendre la moitié et les planquer partout sur elle, à des endroits qu'elle a déjà préparés. Tu vas la voir en glisser à certains endroits de ses vêtements, etc. Certains endroits de son sac, pour vraiment être préparé à toute occasion. Et ben, maintenant que ça s'est fait, je suppose que vous n'oublierez pas votre petite faveur à mon égard. Je n'oublierai pas. C'est une question d'honneur. Oui. J'hésiterai pas à vous le rappeler. Ok. Je vais 100% dès que je peux essayer de tirer partout et d'aller chercher mes carreaux. Je vais... Je m'amuse. Je sais que j'ai entre les mains une arme qui n'est même pas... que je suis probablement la seule, voire peut-être une des deux seules à la posséder dans l'entièreté de cette région. Je vais m'amuser. Ah oui, alors que tu vas chercher tes carreaux, Moira, tu vas t'éloigner un petit peu du groupe. Tu verras apparaître derrière un buisson la tête de Cupille. Moira! Immédiatement, tu vas juste voir cette arbalète qui est pointée vers toi. Salut. Ah. Je voulais te parler en privé si possible. Et je vais regarder en direction du mine qui est au loin en train de nous regarder. Je vous montrerai ce soir comment on fait les carreaux. Je peux repasser ce soir aussi, hein, si jamais vous voulez finir.
Je me casse. Mine, c'est ce mec qui crie je me casse, tu sais, comme ça. Je vais juste m'approcher de toi et te suivre. Alors, qu'est-ce qui... En fait, quand on était à l'avium, tu vois Gupil qui va regarder à gauche, à droite. Quand on s'est battu là contre les Minotaurs squelettes, je me suis rendu compte que tes blessures, elles étaient pas apparentes, Moira. Un peu comme si, tu sais quoi, il y avait une sorte d'enchantement, une illusion. Et je sais pas si le groupe est au courant, mais si t'as des choses à me dire, je pense que ça pourrait être un moment, à mon avis, fait suffisamment de temps qu'on voyage ensemble pour que ce genre de choses soient communiquées. J'ai une question, Gupil. Je sais que tu es très intelligent. C'est une de mes qualités, je suis vraiment la seule. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as discuté avec avec des gens, des connaissances qu'on a en commun? Là, tu me demandes ça, c'est que tu veux me faire disparaître. Un vieux ou un riche, par exemple? Le riche, c'est Almastre? Je sais pas. Moi non plus. En fait, Elma, je sais jamais ce qui est là pour... Tu sais, l'apparence et ce qui existe vraiment derrière. Non. J'en ai pas encore parlé à Humine. Je voulais en discuter avec toi avant parce que t'es quelqu'un que je pensais bien aimer. Et je serais triste si en fait je t'aimais plus. Avant que tu fasses des bêtises, je peux lancer des boules de feu à bout portant, ça me dérangera pas. Ce serait pas la meilleure des idées. J'en ai eu d'autres de pire. Pas étonné. J'ai entendu parler de ça dans des lettres. Si c'est les bêtises qui s'écrivent dans des lettres, ça devait pas être les pires. C'est clair. Vu qu'il les écrivait. Il y a juste quelque chose qui me dérange. Dans ta phrase, tu disais pas encore, Amine ? Bah. Ça veut dire que c'est un objectif ? Ah, c'est une possibilité. Parce que Humine et moi, on se fait confiance. Et ça dépend un peu, je te cache pas, de ce que tu vas me répondre. Et je te cache pas que j'aimerais bien avoir la vérité. Parce qu'en soi, on est en train de partager des informations super confidentielles en ta présence depuis le début, donc c'est qu'on te fait un minimum confiance. Et ça m'attristerait profondément si cette confiance, il s'avérait que... En soi, elle était pas réciproque. Parce qu'on se met nous et on met tout le bois en danger, en fait, en faisant ça. J'aimerais bien des formes de... Comment dire? De garantie. On s'est déjà fait baiser un certain nombre de fois. Regardez à gauche, à droite. Tu diras pas, Humine, que j'utilisais ce mot. Il est bizarrement très à cheval sur le vocabulaire pour quelqu'un qui donne des couteaux à des mineurs. Pas de soucis, je dirai rien. Ce sera notre petit secret à nous deux, d'accord? Oh, je pensais à un autre petit secret. On peut partager, je suis là pour ça. Je crois que je commence à comprendre ce qu'il voyait en toi. Qui? Autant la partie désagréable que étonnamment attachante. Désagréable... C'est Mine qui a dit ça. Hein. Non. Quelqu'un de plus jeune. Et plus fort. Oui, bah en fait, c'est tout le bois, là. Et Moira, ça m'aide pas trop. Donne-moi un indice. Sauf et Bonnard. Quelqu'un qui se... Tu vois, quand tu vas dire Bonnard, Cupid va arrêter de t'écouter pendant un instant pour vraiment réfléchir. Qui est le plus vieux? C'est vraiment ça. Ok, je te donne le bénéfice du doute, là tu pars, donc continue. Écoute. De toute façon, ça sert à rien d'essayer de te mentir. Rien qu'à aggraver la situation et... Je sais pas, ça sert à rien, ça me décevrait profondément, mais... C'est pour être du mensonge, après là je plaide pas en ma faveur de ma parole en disant ça. Je t'ai d'ailleurs déjà dit, je sais pas si tu te souviens, que si jamais j'étais amené à te mentir,
je ne le faisais pas dans un but néfaste ou dans un but quelconque de te faire du mal ou de faire du mal au groupe. C'était la discussion qu'on a vue à l'avion le soir sur le dortoir, non? Mmh. Je me souviens. Oui. Mais du coup, ce qui me rassure pas, c'est que en fait, ça pose de base la possibilité du mensonge. C'est depuis ce jour-là que je me méfie un petit peu, pour être honnête. Oh, il est là, clairement, le mensonge, hein, depuis longtemps. Ok. Je vais regarder. Est-ce que on est vraiment distancé des autres? Est-ce que... Si vous le souhaitez, vous pouvez être un petit peu isolé du groupe. Il n'y a pas de problème pour ça. Dans ce cas, je vais faire... Écoute... Tu ne diras pas que je l'ai fait devant toi, Humine, hein, au cas où il risquerait de me tomber dessus. Je vais sortir un cigare et en allumer un. Ce qui dénote totalement avec la gueule de Moira, qui est ultra clean. Est-ce que Sheratan fumait le cigare en proximité de nous, je me souviens plus. Tu n'as jamais vu... Tu as jamais vu Sheratan fumer, mais tu as peut-être déjà vu une boîte de cigares sur lui. Mais tu ne l'as jamais vu fumer directement. Mais du coup, boîte de cigares, c'est juste que je reconnaîtrais pas les bagues. C'est plus là-dessus, donc je peux pas savoir si c'est le type qui fume ou pas, quoi qu'il arrive. Juste que, je sais pas si tu connais un odeur de cigare, mais ça vient de Saltar. D'accord. Mais ça rigole pas. Il est corsé. Même si je vais dire, techniquement, tu prends ton cigare depuis ta boîte. Oui, mais je vais pas sortir ma boîte, lui montrer l'énorme symbole. Non, mais je veux dire, il a pas genre. Si c'est la même boîte que Sheratan, j'aurais reconnu la boîte. Il a pas 20 ans d'investigation passive, c'est ça que je veux dire. Oui. À partir de la boîte. Tu reconnais que les boîtes sont plus que similaires. Oui. Après, je sais pas si Moira a dit qu'il avait une boîte. Sheratan en avait une. Moira, si elle peut sortir d'une poche intérieure, j'ai aucune raison de voir le truc, tu vois. À une boîte, je pensais pas te montrer la boîte, mais si tu veux pouvoir l'avoir vue, ça me dérange pas. Comme tu veux. De toute façon. Eh bien, donc, on va dire que j'ai lu sur les lèvres de ta boîte. Et que du coup, je sais qu'elle appartient à Saltar. J'ai envie de faire marcher ce don parce que je regrette depuis d'avoir pas pris Sutton. S'il vous plaît, donnez-moi quelque chose. Le don, rappelle-moi. Observante. Observante pendant une bonne investigation passive. Tu vois que les boîtes sont assez simples. Elles ont quand même été laquées. Donc il y a quand même une protection vraiment pour protéger ce qu'il y a à l'intérieur et pour les garder au sec. Au sec. Comme s'il y avait des embruns. Les clapets sont les mêmes et il y a un seul symbole petit, mais d'une tête de bélier. Tête de bélier comme Saltar, Robin. Ouais, je commence à mettre deux plus deux ensemble. Spécifiquement comme les hashtags. Oui, voilà. Parce que tu connais pas vraiment d'autres béliers. Des béliers. T'as sûrement déjà vu le logo. Il était devant chez Suzanne. Bélier, hashtag bélier. Tu vois, Gupil ? Tu connaissais Sheratan ? C'était un grand guerrier super fort qui est mort au combat avec nous. Alors, si jamais je dois parler en tant que Moira, je me suis entraîné avec lui à l'école de chevalier à Alderaart. Mais si je devais parler en tant que moi-même, je dirais que j'ai été employé par des proches de notre défunt ami commun. Mais du coup, Moira, t'es pas Moira ? Bah, Moira est Moira, mais moi, je suis pas Moira. À la base, j'ai tué Moira. C'était un accident. Mais Moira est morte. Contact. Le fameux c'était un accident. Tu peux savoir qui c'était Moira à l'origine et pourquoi elle a été tuée? Et plus de questions pour aujourd'hui, je promets. Tu pourras en poser plus si tu veux. Tout ce que j'ai raconté jusqu'ici, par rapport à Moira et par rapport à quand j'utilisais les termes moi ou je, est vrai. Je n'ai pas menti sur la vie de Moira. Quand tu dis moi, on parle des mois qui passent, et quand tu dis je, on parle du fait de jouer. Absolument pas. Je pensais être sur quelque chose. Et donc, disons que Moira et moi, nous nous sommes retrouvés dans une altercation
Elle m'a prise pour une bandit, alors que je n'ai rien de tout ça, hein, et j'ai essayé de la raisonner. Ça s'est fini par son décès, mais je tiens à dire que j'ai essayé. Et étant donné que mon visage est dur à confondre ou à oublier, je me suis dit que je pourrais emprunter le sien. Je peux me mettre derrière cette histoire, oui. Ok. Les personnes d'autres au courant dans le groupe ? Alors, Humine a déjà vu ma tête. Il y a de la chance. Enfin, je crois. Je suis pas sûr. Crois-moi, tous ceux qui ont vu ma tête ont soit de la chance, soit pas du tout. Humine, il est chanceux en général. J'espère qu'il le restera. J'espère aussi parce que le connaissant, il va mourir s'il l'est plus. Almast. Disons, connaît mes employeurs, et sait que j'ai été employé par eux, et j'imagine que Frôle, se battant toujours avec mon frère, doit peut-être avoir une idée de mon visage. Eh bien, j'ai l'impression d'être vraiment le Galus de la farce, moi, à la fin. En fait, tout le monde était au courant, sauf moi. Je vais enlever mon truc, et tu vas juste voir... tu vas juste voir que je suis... Ça me casse les couilles. J'enlève mon apparence, et tu vois juste Potain, juste en mode Sheratan, si c'était quelqu'un de plus violent. Je pense que ta vision de la chose, ce serait sûrement ça. Alors, j'essaie de m'imaginer un mouton noir plus violent qu'un autre mouton noir qui était déjà violent et qui fumait des cigares en cachette, et là, et tu vois un mort de cicatrices et... Et une version plus... comment dire, tu sais que Sheratan était un peu un visage et était techniquement un chevalier et potentiellement essayer de s'approcher de la noblesse. Là, c'est quelqu'un qui a évolué sans avoir pour but de bien être vu par... ouais, qui chanque des gens à la brosse à dents dans les arrière-cours. Oh, pas à la brosse à dents. J'avais envie que ce soit le seul truc que t'es corrigé dans cette phrase. Pas à la brosse à dents, c'était à la pomme de porc, excusez-nous. J'ai des cornes. Je vois. Juste pour savoir, il y a qui d'autre qui est au courant, à part, du coup, je suppose, les hashtags genre Alderaar, en fait, nos employeurs, c'est là, super puissants pour lesquels on bosse, il y en a personne qui sait ? Ah non, personne. Ok, il va falloir que je fasse super gaffe à ce que je dis pour une fois. Okay. C'est d'ailleurs pour ça que la prochaine fois que vous allez voir le conseil, je ne rentrerai pas dans la pièce avec vous. C'est un objet qui te le donne, ton effet de glamour ? Je vais remettre l'objet et reprendre la forme de Moira et le réenlever. Fallait dire non, non, c'est juste pour le style. Je me demande si la zone d'antimagie là, au conseil, elle fonctionne sur les objets ou pas. Du moins, on m'a fait comprendre de pas m'approcher de là. Est-ce que Guppy avait senti que le... Tu sais, mon amulette qui me permet de faire pousser l'arbre perdait ses fonctions magiques quand j'entrais dans la salle ? Oui ? Ok. Je peux valider, en effet, ça coupe la magie des objets tant qu'on est dans la salle. Et tu sais, un visage d'Ashtad, ça ne se... Ça se retient. Après, en soi, beaucoup de gens, c'est la dernière chose qu'ils retiennent. Donc. Sheratan, il bossait pour le conseil. Je doute que... En soi, le conseil, je pense que si tu veux bosser avec eux, dans leur but, ils ont pas trop de raison de dire non. Hein. Oui, mais je vois pas pourquoi je bosserais avec eux. Je me débrouille très bien de mon côté. Ah, oui, c'est une question. Regarde, j'ai même été... comment dire... J'aurais des questions à vous poser un peu plus tard. Je commence à avoir des réponses. Est-ce que tu te souviens de... T'es en train d'imiter Almas, là, ou... Quand mon frère est mort. Ah, non, c'était... Ok. Oui, bah, j'étais juste à côté de lui quand ça lui est arrivé.
On est rentré dans un campement, on a essayé de neutraliser les gardes, ça s'est pas très bien passé. C'était plus coriace que prévu. La garde du perchoir nous a un peu laissé gérer le problème tout seul à 5, à l'époque, avec Shiratan et... il y avait encore Ova avec nous, je me souviens. Tu te souviens de la vulpine Feu Frey? Oui. Elle a été emprisonnée. Jusque-là, c'est logique, parce qu'on a participé à... Mm-hmm. À ce qu'elle soit capturée à la fin. Puis peut-être qu'avec un peu d'aide, je suis arrivé à un certain endroit, proche de sa cellule, et que peut-être que quand je l'ai quitté, c'était son corps qui était emprisonné. C'est quoi, Magra? Moi, je vais te dire, c'est pas moi que ça va choquer. Je sais, je crois que juste que pour vous prévenir au moins que, même si j'ai encore du travail à faire là-dessus, la mort de mon frère a été partiellement vengée. Écoute, je vais dire tant mieux et bon courage pour la suite. Attends. Non, nous on est pour rien. Bon courage pour la suite. Pour être tout à fait franc avec toi, le jour où j'ai rencontré Shiratan, j'ai décapsulé un type au trait de feu, donc la violence, on est un petit peu fermé ici. Oh. Il y a quelqu'un qui est pas au courant dans ce bois? Shiratan était, comment dire, bavard dans les lettres qu'il envoyait à la maison. En soi, ça m'étonne pas trop, l'information c'est le pouvoir. On sera d'accord là-dessus. Il a d'ailleurs noté que il y a bien longtemps de cela, tu lui avais accordé une faveur en échange d'un service. Je tiens à dire que une fois sa mort arrivée, c'est une faveur qui revient bien évidemment à la famille des Hashtag. Je ne dis pas tout de suite que je compte l'utiliser. Est-ce que je me souviens plus s'il m'avait donné le service, ceci dit. Je crois que oui. C'était marqué dans une lettre, du moins. Je n'oserais pas croire que mon défunt frère ait menti. Alors, qu'il ait menti un paquet de fois à Shiratan, j'en doute pas. Qu'il ait menti à la famille, ça, oui, c'est plus crédible. Écoute. C'est quoi, tu m'as fait confiance, je vais te faire confiance. Peut-être une erreur. Ce sera pas la première que je vais faire, ce sera peut-être la dernière, on verra bien, mais je pense pas, parce que j'en fais un sacré paquet dans la journée. Si t'as une faveur à demander, tu la demanderas. Je le ferai peut-être à un moment, mais je tiens juste à te dire, Cupil. Ça arrive rarement, mais je t'aime beaucoup. Tu me rappelles deux idiots en particulier. S'il te plaît, fais pas de bêtises. J'ai pas envie d'être obligé d'arriver à ce qu'on soit en désaccord. Je rappelle que je peux me tirer boule de feu dessus. Le souci, c'est que je pense que si ça arrive, tu as plus de chances de te décéder que moi. Je sais. Mais t'auras le poil qui sera sacrément rousse. Ça changera pas grand chose. J'emporterai Humine avec moi. Je regarde un peu offensé en regardant ma laine noire. Mais au moins, c'est moi qui serai mon propre meurtrier. Ah. Je pense que c'est très triste et je m'y connais en meurtre. C'est bizarrement la deuxième fois qu'on me dit ça. Ça fait pas beaucoup, mais ça fait deux fois de trop. Et Cupid va partir au camp. À mi-chemin, je vais faire 10 mètres, je vais m'arrêter, je vais me retourner vers toi et je vais te faire un petit signe de tête entendu. Je dirai rien, rassure-toi. Je vais le regarder partir et je vais délicatement mettre la main sur mon arbalète de poing, la tendre devant moi et la ranger dans une différente poche. Et je vais juste avoir une petite pensée avec lui qui dit que c'est la deuxième fois qu'il entend parler dire quelqu'un qui s'y connaît en meurtre. Et je me rappelle les repas de famille. Je me rappelle de toutes les différentes voix de personnes que j'ai connues parmi les hashtags que je l'ai entendu prononcer cette phrase. Et vas-y, je te laisse finir. Et je vais sûrement commencer à rejoindre les autres. Pas de soucis. Et je vais avoir l'air agacé. Je pense que
ça agace Moira parce qu'elle aime bien Gupil. Et que ça l'agace exactement dans le, de la même façon que ça agace à Sheratan. Okay. Tu vas entendre en rapprochant du campement « Humine, tu sais quoi ? La palette de Moira, elle a l'air vachement dangereuse. C'est du bon travail. » C'est pour ça que je lui ai donné. Par contre, Moira... Super travail, Humine. Par contre, tu feras attention. Gupil est... un petit peu... comment dire ? Il a l'air remonté, il arrête pas de jurer. Et je vais faire un coucou à Gupil, et je vais m'emballer. Et alors, je suis pas son père, je suis celui qui vient apprendre comment lancer des boules de feu. J'ai l'air d'être quelqu'un qui en a quelque chose à foutre, qui jure. Gupil va vouloir extrêmement déçu par ce que tu viens de dire, Humine, presque plus que par le fait que Moira vienne de balancer. Justement, c'est la deuxième plus grosse trahison de la journée. Genre. Et depuis le début, il s'en foutait, c'était juste pour te saouler. Et tu disais, ah, de jurer. C'est ça. Si les autres avaient quelque chose à faire, on va passer rapidement au troisième jour où il y aura un événement majeur. Bah, moi, j'ai juste un truc à faire en général. Ouais, c'est-à-dire que j'aurais aimé, pendant tout le trajet dans la forêt, parce qu'en général, on est au niveau de la route, mais on n'est pas loin du bois, essayer de communiquer avec mon épée. Okay. Et l'objectif principal, c'est d'essayer de savoir si elle a un nom. Ok. Je vais te demander de roll. Très bien. Mais quoi ? Un des 20. Ah, juste un des 20. Je ne te demande pas tes stats, je les regarderai. Ok. C'est au troisième jour dans la journée, quand tu essaieras encore une fois de communiquer, que tu entendras le mot chardon en réponse. Très bien. Je note. C'est aussi durant ce troisième jour que Moira reprendra sa baguette à moitié cramée pour essayer de continuer à faire ses essais et à comprendre son truc. Et changeant de stratégie, plutôt que de lancer un cantrip que tu maîtrises et que tu essayes de faire varier, tu vas essayer directement de puiser dans une autre magie. En faisant directement varier autre chose, en prenant exemple sur, par exemple, les traits de feu que tu as vu quelquefois lancer, etc. Ce faisant, vous allez tous voir, en fait, à un moment, la baguette éclater. Et Moira se retrouvait étalée au sol, assez mal en point, avec le nez qui saigne. Et lorsque tu te relèveras, Moira, tu essaieras de te nettoyer un peu de la poussière, le sang, classique, avec ce sort que tu connais si bien. Et il ne te revient pas. Il te manque des choses, quelque chose. Tu n'arrives pas à te rappeler de ce sort si commun. Mais... essayer de faire comme si de rien n'était. Et de pas montrer que je comprends pas pourquoi j'arrive pas à le faire. Et m'essuyer manuellement. C'est ce que j'allais dire, du coup, t'es... Parce que là, t'es avec nous, t'es en train de pas loin de nous, ou alors t'entraînes genre planqué ? Je m'entraîne pas loin. Je suis à distance. Ça aurait été. Ouais, je suis à distance, mais je suis pas à 800 mètres, quoi. Vous aurez entendu éclater légère déflagration, la baguette, et vous l'aurez vu, du coup, faire quelques signes, et puis finalement... prendre un pan et s'essuyer le nez. Justement, je vais me rapprocher et je vais casse précisation pour la nettoyer. Je vais faire, s'il te plaît, nous arrivons bientôt à Brackenmiel, nous allons rencontrer des gens importants. Essaye de garder une apparence respectable. Tu devrais connaître ce sort, c'est de la magie basique. Je vais retourner au chariot. Je vais penser à toutes les différentes manières que je pourrais utiliser ce que j'arrive maintenant à faire pour m'occuper de lui et de toute sa famille.
tu sors une dague. Du coup, la dague en bois, machinalement, t'as pas cherché à savoir laquelle c'était, juste c'est la dague en bois qui est sortie. Et celle-ci se met... La lame se met à rougeoyer. Elle brûle. Et elle va se détruire lentement. Ça va être du charbon, de lame. Et une petite flamme verte va en tomber, commencer à cramer un peu d'herbe, puis s'étouffer. Est-ce que ça devient une dague moins 2 au lieu de moins 1? C'est une dague détruite, il n'y a plus de dague. Je tuerais quand même quelqu'un avec. C'est un bout de charbon. C'est une promesse, monsieur? Ouais, je vais le mettre dans sa plaie. Ça va stériliser plus qu'autre chose. Ouais, je vais... Je vais stériliser sa plaie. Ok, je vais stériliser sa plaie. Ok, je deviens une soigneuse. Moral, c'est qui porte l'idée de défi un peu trop loin. Rouga ouvre son quatrième hôpital. Où les patients disparaissent. Troisième jour, vous arriverez du coup au matin à Bracken Mill. Et du coup, vous voilà. À Brackenmead, vous arrivez du nord-ouest. J'ai fait quelques cercles qu'on va expliquer tout de suite. Petit cercle blanc. Il y en a un qui n'est pas resté, il faut que j'en refasse un. Celui-là. Ok. Alors. Première chose à savoir, lorsque vous arrivez dans cette ville, si vous remarquez bien, elle n'est pas à plat. Vous voyez qu'il y a des sortes de montagnes, et en fait, tout ceci qui est relié... Alors, je vais le tracer à la règle. Tout ceci qui est relié par ces sortes de barrières, vous voyez. En fait, ce sont des jardins suspendus dans les arbres. Ok. Ceci, ce sont des champs. En suspension. Il y a aussi des champs en dessous, des champs terrestres. Je suis pas sûr qu'on voit tes pings. Vous voyez mes traits? Ah oui, les traits, oui. Tes traits, on voit juste que la map est grande. Ouais, okay. Si tu peux, je vais repasser sur du blanc au niveau de ton. De la couleur. Dans ton image, on verra mieux les pings. Je sais pas comment je fais ça. Tu cliques sur ta tronche. User configuration en bas à droite, et tu peux changer la couleur. C'est ça. Gauche. Voilà. Ok, nickel. Ouais, sur les pieds, tous ces traits là verts que vous voyez, en fait, voilà, ce sont des jardins suspendus en hauteur par les arbres. Ce sont comme de grands baldaquins. Et dessus, des champs. Dessous, des champs. Vous voyez qu'en fait, toute cette ville est construite du coup sur ces petits monticules avec ces arbres du coup reliés les uns aux autres. Ces grands chemins, ces grandes allées. Et vous voyez que tout ceci a été fait vraiment même en épaisseur. Qu'il y a même du dallage de pierre sur ces allées, sur ces passages. Donc voilà, dès que vous êtes sur un plateau, vous êtes en hauteur. Et la ville, du coup, est en hauteur. C'est un plateau suspendu. Comme vous voyez, il y a énormément de champs, énormément de zones agricoles. Toutes les zones qui sont notamment au sol, qu'on ne voit pas, qui sont cachées par la ville, sont des champs et des zones agricoles cultivées. Que ce soit du fruit, que ce soit des insectes ou d'autres systèmes de production, il y a de tout ici. Cette ville est surnommée le grenier d'Alderaard. Les cercles entourés. Donc, le premier cercle ici. C'est la nouvelle acquisition des dreffes. Tu peux repings. Ah, ici, super. Au Windswift Estate. Oh, it's mine. Est-ce que c'est volontaire? Peut-être. Ensuite. Et ça, c'est spécifiquement pour la famille Astéri. Ici, le domaine Forcombe.
Ça a toujours été un domaine rival, qui était dans la production de miel. Cela fait longtemps qu'ils essayent de prendre de la place au marché, et qu'ils essayent de prendre encore plus de place dans la guilde artisan. Ils se vantent comme étant petits producteurs de luxe. Oui. En plus, je suis bête, je voulais le dire pendant que je faisais le truc tout à l'heure. Ça, c'est ce que je vous ai raconté sur le chemin. En préparation, en se disant, c'est l'occasion de montrer que j'en connais plein sur ma ville. Et je vous ai raconté ça sur le chemin jusqu'à Brackenmill. Ici, ceci est le manoir Astéry, directement devant le marché. Et celui qui est en plein centre. J'ai une question. Le gros manoir qui est beaucoup plus gros que celui des Astéries à côté, c'est à qui? Alors regarde, ça, le 1, c'est marqué, c'est la mairie. Et le manoir qui est un peu plus petit que celui des Astéries à côté, qui a l'air d'être une famille rivale très intéressante. C'est pas une famille rivale, pour le coup. C'est généralement quand les maisons... Ce sont en fait des indépendants. Eux, ce sont... Ah, pardon. C'est plus des familles qui sont dans un domaine autre. C'est-à-dire qu'on a vraiment le commerce de bois, le commerce du textile, du luxe. Là, en fait, c'est du commerce alimentaire, ce qui n'a rien à voir. Ils sont sur un autre domaine, donc ils ne se sont jamais vraiment marchés dessus. Chacun avait sa place dans le marché, pas de soucis. Ils sont sos. Je pense pas habiter au Jonquille Terrasse. Non, ce n'est pas toi qui habites là-bas. Ta maison, elle est située dans un petit appart qui est là. Je trouve même pas où on est. C'est là, ok. Au-dessus de chez les Astéries. La carte est trop grande, genre. Yep. Ah, ok, c'est au-dessus des Astéries. Ok. Je te fais un petit cercle. Ok, j'ai vu, ouais, j'ai vu. Il est là. Okay. Il y a un tout petit appart qui est là. Waouh, c'est un très petit cercle pour un mine, hein, quand même. Moi, j'aimerais pas. C'est une mine, hein, c'est un prof. Tu dois savoir. C'est équivalent à son espérance de vie. Oh, wow. Se faire tirer dessus. Si tu veux, j'ai de la crème pour les brûlures. J'aime bien, je le vis bien. J'ai de bouffer le renard. Non, attention, il est mort. Le domaine des Jonquilles et la terrasse des Jonquilles, c'est le domaine Ebonheart. Les fameuses Jonquilles noires. Les Jonquilles. Donc c'est un domaine qui était toujours assez éloigné et sur elle-même, ne donnant pas beaucoup d'informations. Quand tu dis assez éloigné, quelles sont les chances de propagation de feu en cas de fireball? Ça faudra aller visiter sur place. Excellent. Et ça reste des arbres géants. Hein. En soi, la propagation est plutôt violente dans ce genre de cas. Ouais, mais tu vois, il y a une bonne ligne de coupe-feu en fait qui est toute faite pour moi. Ouais, mais on est ce qu'on appelle en pile, pile en pleine canicule avec des feuilles séchées partout ou des brindilles séchées partout par terre. C'est une question de vent, monsieur. C'est une question de vent. Et puis, il y a des gens qui ont plus de précipitation, du coup, pour retirer les flammes, c'est un peu plus compliqué. Moi, je peux en faire plus. Sur ce. Vous allez arriver du coup, donc par ce chemin, si je veux bien avoir ma règle, s'il vous plaît. Merci. Donc, par le chemin sud, passant du coup sous les places, pour arriver du coup par la porte sud, où vous verrez des gardes de la milice. Attends, si on arrive par la porte sud, on passe devant Ebonheart avant d'arriver à Brackenmill? Alors, vous allez voir le domaine Ebonheart, comme tu vois, en fait, là, vous prenez un peu plus tôt à gauche, mais si vous voulez prolonger pour aller voir le domaine, vous pouvez. Ah oui, d'accord, ok, donc en fait, grosso modo, on fait ça... Passer dessous, en fait. Et ensuite, comme tu on vois, revient. C'est des montagnes, et tu passes d'accord. Sous la plateforme, okay. Et ensuite, tu reviens. Ouais, donc en fait, on est arrivé par le nord, mais on va rentrer par la porte sud. Oui, it's fucked up. Parce qu'il n'y a pas d'autre entrée par là. It's fucked up. Man. En fait, il y a deux portes, hein. Y a la porte sud et la porte est. Vraiment du même côté. Ah oui. Mais du coup, Arda, c'est intéressant, il n'y a pas d'autre entrée... Si, il y a l'entrée à l'est, ok. Ouais. Mais il n'y a pas d'autre moyen de monter dans Brackenmill même. Non.
Il y a plein de moyens de descendre. Bah oui. Si tu veux, je t'en montrerai. Mais là, il connaît que des moyens de descendre, les gens, pas de descendre. Alors ici, ah, vous verrez peut-être quelque chose qui ressemble à un gros bâtiment en ruine, etc. Psst. Ce n'est pas ça, ça fait partie du cimetière. Où ça, pardon? Ouais, ici. Ça. J'avais demandé justement. Vous voyez, tout ce qui est appelé, du coup, la traîtrise de Crène. Ce n'est pas, du coup, une église ou quoi que ce soit, tout ça, c'est un cimetière. Quand Almas nous parlera de ça, parce que je suppose que c'est lui qui va nous faire ce descriptif que tu es en train de nous donner. Mmh. Almas, cimetière, et Banart, nécromancie, cimetière, et Banart. Je pense qu'on a plus de chances de le trouver dans le cimetière que chez lui. Les dernières nouvelles nous tenaient au courant qu'il était déguisé à la taverne. Elle se trouve juste ici sur la carte. T'as une carte? Ah. Préparé. La ping où là, vas-y. J'ai pas vu. Si, elle doit être genre. C'est là. Le grand bâtiment du marché, oui. Ah, je trouve pas. Les mots. On a pas, en fait, on n'a pas les numéros sur pour Brackenmill. Si, si. Alors, en bas de la map, si tu dézoomes, tu vas voir. Ouais, mais la taverne n'est pas indiquée par exemple. Oui, la taverne n'est pas indiquée, la taverne est là. Pour ça, c'est ce qui est très grave. Il y a le temple de. Mais même s'il est déguisé, Alma, ce que je me dis, c'est que qu'on trouve un Galus ou un Mapache au milieu du cimetière avec des squelettes en train de faire des rituels contre la nature, c'est probablement le bon. Donc ça éviterait de faire des bavures. Après, ce serait encore faire des rituels. Ouais. Je pense que déjà aller à l'auberge pour essayer de savoir si quelqu'un a vu un Galus blanc partir dans une certaine direction, spécifiquement au nord. Ou au sud, ça nous aidera déjà beaucoup. Vous voyez Riffin du coup qui se tourne. Ah oui, vous m'avez dit, il s'est déguisé, c'est ça? Oui, pour l'instant, il apparaît sous la forme d'un Galus blanc. Je vais sortir pour la première fois depuis longtemps Muin, qui est dans sa dimension de poche, depuis fort longtemps, oui. Qui pour une fois n'a pas explosé. Voyons cela, j'ouvre ma sacoche et je sors l'Ipug. Très bien. Vous laisse les sortir, il n'y a pas de souci. Je vais laisser Muin volter au-dessus de nous à sa distance habituelle de 100 pieds, si je me souviens bien. C'est un truc comme ça. Ça. Oui, où tu veux, c'est juste 100 pieds si tu veux regarder à travers ses yeux. Ouais, je sais, mais justement, ouais, c'est ça, 100 pieds. Je vais garder à 100 pieds de moi, mais dans les hauteurs de manière à ce que ses yeux perçants de vieillard jeune puissent bien voir ce qui se passe au contraire. Ouais, pas de soucis. Tu vas donc faire le tour avec Muin de la Silkworm Inn. Sunny Silkworm Inn. Sunny Silkworm. C'est sauce. Yep. L'AMG a confirmé. Il va voir qu'il y a quelques personnes de la milice, que le marché... C'est ça que tu vas remarquer surtout. Le marché est assez vide. Les étals sont assez vides. C'est peu commun. Habituellement, il y a beaucoup plus de gens à cette heure-là. On pourra loger chez toi, Almas ? Allons déjà vous prendre des chambres à l'auberge. Parce que sinon, j'ai peut-être un endroit. Mais moi j'irai chez moi, j'ai un lit, j'aimerais bien l'utiliser. Hein. Et je vais juste murmurer, espèce de pingre. D'ailleurs, on n'a jamais été. On a été payé par l'Avium ou le Conseil récemment. On a eu des payes pour avoir sauvé le monde d'une abomination squelettique. Ouais, je crains que tu portes actuellement. Je crois que c'est Frôle qui porte actuellement sur le doigt un objet magique d'une valeur certainement d'un petit millier de pièces d'or, mais je ne me souviens pas d'avoir été payé. Oui, alors jusqu'à preuve du contraire, je peux pas me nourrir d'anneau, donc... Vous sortez l'estomac de Goupil qui va... Eh bien, vous pourriez manger chez moi. Ah. Et dormir, nous pourrons peut-être nous arranger. Vous êtes fort. Je ne vais pas m'imposer à mes parents. Nous, on peut s'imposer au pire. Non, mais au pire, j'ai un peu d'or, hein, c'est pas grave. Non, mais il nous invite si gentiment, Almas. Je roule des yeux.
Je vais m'approcher du mine. Si jamais ça se passe pas comme prévu, vous avez un futon quelque part, maître. Ou un tapis un peu épais. Non, mais je pense que la famille Astéri sera ravie d'avoir en ses murs le capitaine commandant de la garde du perchoir. Un invité okay. d'une telle marque. La juridiction d'Alderheart est plus faible à Brackenmill. Il n'empêche que mon titre reste important et peut-être que si l'on m'accordait une faveur, je serais capable d'en retourner une à Alderheart, là où la politique a besoin d'appui. Vous êtes doué avec les mots, cher commandant. Bienvenue chez moi. Yep. Vous le voyez juste qu'il prend un petit blason et qu'il l'épingle à sa chemise et qu'il fait. Oh, j'ai vraiment horreur de faire ça. Bon, Gupil, si jamais ça se passe et quand vous même pensez pas qu'il bien, serait OK pour. Et vous pensez qu'il serait OK pour recevoir l'un des officiers de la carte du parfois? Je suis certain, étant donné tes capacités, que le consort se ferait un plaisir de croiser le fer avec toi, si tu veux. Il a tendance à apprécier le combat depuis. C'est devenu Homer Simpson. Il va briser. Il a tendance à apprécier le combat depuis la fin de sa carrière militaire. Je m'attendais pas. C'est où ? Mais bon, il se fait encore un peu tôt, non ? Il est quelle heure, à peu près ? Il est assez tôt, vous arrivez sur les coups de 9-10 heures, vous vous êtes levé vraiment à l'aube pour arriver tranquille dans la ville. Nous avons le chariot. Vraiment pour un entraînement. Nous devrions passer d'abord à l'auberge, voir ce qu'il en est, et nous les rejoindrons dans la soirée. Je leur ferai transmettre un message pour qu'ils soient prêts à notre arrivée. Go court. Est-ce que vous rentrez dans la taverne ou pas ? Je veux savoir. Vous allez être devant la taverne, vous allez entendre des chants, notamment des chants qui pour toi, Moira, vont dire pirate ou marin en tout cas. Ça sonne faux. Il y a déjà beaucoup d'alcool. Ou alors, c'est peut-être que ça s'est toujours pas fini. Mais c'est typical, ouais, chant de. Enfin, c'est pas étonnant d'en entendre ici, quoi. Ici, pas forcément. Vous savez qu'il y a quelques marchands de Saltar qui viennent, en fait. Généralement, les marins, parfois, sont aussi des gardes, en quelque sorte, pour certaines cargaisons, et du coup, font les allers-retours pour Brackenmill pour continuer le chargement. Je vais me retenir de pas chanter toutes les chansons. Et juste de temps en temps rejoindre un refrain quand je pense que les gens ont vu que je l'ai assez entendu. Comme si je ne connaissais pas du tout ces chansons que je connais par cœur. Pour l'instant, vous êtes encore à l'extérieur. Hein, mais... Si jamais, quand j'y serai, j'en profiterai. Vas-y. Allez-y. Vas-y, Almas, toi d'abord. Ah non, c'était juste, vu qu'on n'est pas encore entré, je vais disguise self. Ok. Voilà. Lumine, il commence à chanter en rentrant dans la taverne. Ok. Et question, est-ce que Frôle potentiellement connaîtrait 2-3 ? Frôle, tu vas reconnaître 2 chants marins que tu connais. Ok. Bah c'est... Bizarrement, si je les connais, oh c'est comme chez moi, et puis je commence à chanter. D'ailleurs, je disais à Self en membre de la milice. Ok. Voici donc la taverne. Alors que vous rentrez, je vous laisse checker tout ce qu'il y a. Il y a notamment... C'est grand. C'est rempli de Birdfolk. C'est mille fois plus grand qu'Alderheart, c'est quoi cette histoire? Oh, c'est bas, pardon. Eux, ils ont l'air sympas. Alors, je suis désolé, mais si lui, c'est pas notre meilleur pote... Vas-y, mais j'ai trouvé mon reroll. Regarde-le, il est trop beau. C'est lui.
Nickel. Attends, c'est là qu'on choisit les rerolls, c'est ça? J'ai compris. Alors, il est... c'est là qu'on non, choisit j'avoue, les qu'il est... j'avoue qu'il est cool aussi, mais je te jure que celui devant le bar... Je l'ai même pas vu. Non mais je suis désolé, mais moi je suis en surkiffance sur celui-là. Hein. Ils sont incroyables. Zavka qui nous voit comme des enfants devant les jeux. Non, mais je profite parce que vous avez encore remarqué. Je vais choisir mon cadeau de Noël. Bah si, je viens de remarquer, moi. Oh, il y a notre meilleur pote. Oh yes. Ah non, mais il y en a deux. Ah non, j'en ai remarqué qu'un seul sur les deux, moi. Deux trucs bizarres. Mais lui, on l'a pas déjà vu. Bah si, c'est le marchand. Ah, mais il y en a deux. Lui, il y en a deux. Lui, vous l'avez déjà vu, là, celui où il y a le ping. Ouais, le ping à gauche. On l'a déjà vu aussi. À droite aussi, non? Oui, à droite, oui. C'est le mec qui nous a vendu le plan de l'arbalète. Ouais. Oh yes. Je vais lui montrer. Attends, à gauche, j'ai reconnu pas. Ça à gauche, j'arrive pas à savoir. Si, mais je sais qu'on l'a déjà vu, mais je sais pas d'où. Non, t'inquiète. Je sais, il me dit rien. Un furet, quoi. Je me demande où est-ce qu'on a pu voir un furet. C'est pas important. Furet, il me dit rien. Ah, c'est lui. On a jamais eu de furet dans Balloon. Zéro fouine dans l'aventure. Pas de fouine. On a vu des fouines dans Balloon. Non, on ne voit pas des étouffés dans le ballon. Oh. Pour rentrer dans la taverne, Riffin vous suivra. Vous voyez du coup tous ces gens, et c'est le tavernier qui vous regarde, qui fait « Si vous venez vous plaindre pour le bruit, notamment en voyant toi en garde de milice, ça fait 5 fois que vos collègues y passent et ça s'arrête pas, quoi qu'il arrive. Ils sont là depuis hier à 10h. Je crois certains ont dormi, à mon avis, à la table, mais ils payent. Bah non, t'inquiète pas, mon brave, je suis en pause. Pardon, c'était le refrain. Et vous inquiétez pas, avec une ambiance pareille, c'est normal que les gens soient contents. Mais bon, je passerai un mot pour mes collègues, pour éviter qu'ils viennent vous embêter encore une fois cet après-midi. Allez. Là, mon ami a envie de boire, c'est ça, ça réduit un truc. Au matin, je peux proposer des choses légères. Bon, y en a qui sont lourds depuis un moment, mais... Je me retourne à commandant. On est bien d'accord, on n'a plus de juridiction aussi. Enfin, on n'est plus... C'est plus officiel. Ah, vous voyez Riffin qui a, en fait, immédiatement enlevé son badge, qui l'a rangé. Et... Pour moi, ce sera, bon, disons, des infusions d'herbe, peu importe ce que vous avez. Ah mais non, tu as pas de la jouer comme ça. Prends un petit truc à boire. Tu vois qu'il regarde le patron et lui fait un clin d'œil. Le patron fait ah ouais, des infusions avec de la mousse, ok. Et je vais lui donner une tape dans le dos, ici. Et moi, je vais vous prendre les jus de pomme avec de la mousse. Ok. Je vais aussi prendre un jus de pomme avec de la mousse. Non, sans mousse pour toi. Je vais prendre avec ou sans mousse là pour le. Un avec, un sans. Deux avec. Deux avec, deux un avec, sans. Ok. Ce sera trois avec, mais tu disais toi-même t'étais pas mon père. Oh. Bon, y a quoi? Y a trois avec et un sans. Y en aura trois. Non, il y a deux avec et un sans. Oui, et bon, bah tant pis. Fireball. Ouais, moi je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils prennent des jus de pomme. Moi je vais prendre une bière. Ok. Je me fais bully. Et du coup, qui va sortir donc deux cidres, un jus de pomme et trois bières. Je prends le jus de pomme et je vais le tordre à Goupil. Je vais faire. Il s'est trompé, il a mis avec de la mousse. Mais tu le dis pas humide, hein. Et je lui tends le jus de pomme. Je tiens à dire que si tu veux, je te fais un rôle de déception. Je suis purement. C'est quoi en passif ta tromperie? Ma tromperie en passive, c'est. Yep. Moi, je me demande, est-ce que ça bave? Est-ce que ça bave, vraiment, l'investigation de Dupil? Lance un dé, du coup, parce que c'est assez proche
pour que il a pas si, si t'arrives à bien jouer ton coup et à bien le jouer, il a pas peut-être que Guppy le verra pas tout de suite. Est-ce que je le lance? Oui. Faut que tu battes 20. Non. Guppy, tu remarques pas que... Ouais, voilà, il y a... Je remarquerai quoi exactement? Bah déjà, il n'y a pas de bulle. Je remarque assez vite, assez bien. Tu vas voir que je vais tenter un truc et boire un peu ton jus de pomme et faire « Ouh là là, il est fort !» Derrière, il y a juste Humine avec son cidre comme ça. Vous savez... ce sera pas la première que je prendrai. Enfin, bref. Ah, Moira. Tu as toujours été une très mauvaise menteuse, Moira. Je sais pas, Humine, bon, je suis pas... Humine, t'as dit que t'étais posée. J'aimerais que tu choisisses une table, hein, rapidement. Parce que du coup, ça va conditionner où vont aller les autres. Au début, je me serais allé ici. Okay. Et puis, j'aurais vu du coin de l'œil mon ami préféré. Et je me serais allé le voir. Ça. Est-ce que tu le dis? Parce qu'on lui a acheté des cartes ensemble. On lui a... J'aurais mis un coup de coude à Guppil quand je l'ai vu. J'en fais signe à Moira de venir parce que je vais pas laisser toute seule à la table avec son jus de pomme. Il va où Riffin? Riffin, il était du coup plutôt à la table, tout le monde. Puis bon, voyant que tout le monde part, du coup, il te regarde et il passe là-bas un ami à vous. Oh, c'est un. On l'a croisé sur la route, ça avait l'air d'être quelqu'un de. Particulièrement excentrique. Ah. J'adorais qu'en fait, au moment où Riffin se soit assis à côté de nous, on soit tous levés pour aller voir le mec en même temps. Des trucs monstres. C'est un peu ce qui vient de se passer. Hein. Bonsoir. Dans le timing, il est seul avec le type qui lui tape dans le dos. Yep. Il n'y a plus qu'un masque avec lui. Alors Riffin. Du coup, on va en profiter pour remontrer Kaden. Yep. Il a un petit flow quand même. Il est cool. Par contre, il a des claquettes chaussettes. Je déteste ce PNJ avec ses chaussettes, ses pantalons japonais bouffants et. Oui, c'est parce qu'il vient du Japon. Oui, je le déteste. Je le déteste pour cette raison. Et donc. Vous voyez. Fury. Ah, vous. Ah ouais, je vous ai déjà vu, c'est vous qui m'avez orienté sur Midofen. Eh oui. C'est ça. C'est une bonne chose qu'on l'ait orienté sur Midofen ou pas, maître? Oui, c'est une bonne chose. Oui, c'est nous. Demandé. Qu'est-ce que vous faites là? C'est quand même assez loin. On vient chercher une connaissance ici. Ah. Un grand Galus blanc, vous l'auriez pas vu? Vous voulez dire ce type-là? Awkward. Non, vous pensez? Attendez, tu vois Humine qui sort 4 paires de lunettes? Ah oui, c'est lui. Non, c'est lui ou pas? Ouais, il... Non, ça c'est la mastoc de Lusturcru, ça peut pas être lui. Ah, je suis le seul gars qui s'est dit on va pas se faire cramer et tout. Les autres ils sont rentrés en mode let's go! Des amis! C'est ce qu'il y a de moins suspect, mec. C'est ce qu'il y a de moins suspect. C'est pas fini, hein. Yep. Ah, vous avez encore des choses à vendre, par hasard? Oula. Moi, j'ai repris juste mes armes. Des choses magiques. Ouais, des choses magiques. Non, j'ai pas rencontré de choses magiques. D'ailleurs, sincèrement, le pays, il est pauvre, en fait. Hein. Oui. Immigré de troisième génération qui revient au bled pour la première fois. Non. Par contre, bref, ouais. J'ai un truc à vous montrer. Et tu vois, les yeux de Moira qui pétillent. On est d'accord que vu qu'il y a le mur à côté de la table, on est un peu caché, on a... Ouais, un petit peu. Ouais. Je vais juste... sortir l'arbalète de points. Pas vers lui, mais pour la présenter. Et la battre de trois carreaux. Touf, touf, touf.
Et qui regarde, qui fait... Ah, c'est pas mal fait. C'est pas moi qui l'ai faite. Ah bah je vous remercie, parce que j'en ai chié. Pas mal fait. Bon. Vous voulez dire qu'il aurait pu faire mieux ? Non, 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 enfin, c'est... Oui, y a tout... on peut toujours faire mieux, de toute façon. On peut toujours progresser. Je suis en train de faire ça. Très bien. Je regarde Moira et je fais... C'est la première fois que j'en fais une. Je ne tolérerai aucune critique sur ma réussite. Je vais l'arranger et faire... Aucun problème, Emine. Ne t'en fais pas. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. J'entends la traduction, beaucoup de problèmes. Tu entends que... Non, c'est juste que elle est très... je veux dire, elle est très fonctionnelle, ça se voit, elle a l'air d'être efficace. C'est juste que celle que j'ai vue, généralement, était ornée, et, vous voyez, bien présentée, quoi. Sur la crosse, il y a des seins, ou sur les bras, enfin... Voilà, quoi. Mais c'est quel genre de type qui se battent avec ça? S'approche un peu. Généralement pas les meilleurs. Non oui, mais c'est quoi? C'est des Galus qui ont inventé. C'est des humains. Oula. Comment vous décrire ça? Déjà c'est des grands êtres. Ils ont pas quasiment pas de poils. Ils ont pas de fourrure, pas de plumes. C'est assez étrange. Ils ont des oreilles, mais comme as, assez pointues. Des sortes de ratopes. Non. Il y a d'autres créatures. Ah, vraiment, ils ont des visages aussi. Ils sont pas genre il y a pas de bec, il y a pas de museau, genre ils sont presque plates quoi. Non, il y a pas de trou. C'est hein. Il y a pas de trou. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est un dé à 12 faces. C'est disons qu'il pourrait se rapprocher un peu d'un apache, mais avec un museau tout plat. Ils ont pas de poils sur le visage non plus? Non. Comme si il y en a qui en ont, d'autres qui en ont pas, c'est pareil, ça, on sait pas trop vraiment, ça dépend. C'est comme si leur visage c'était des fesses. C'est des créatures bizarres. Non, parce que toi t'as les fesses poilues. Ouais, mais ça dépend, il y a des créatures qui ont pas forcément de poils partout. Non. Yep. Bref, non, ouais, c'est louche. Et ça s'appelle comment? Ces trucs qui ont pas de poils. Elf. 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 En vrai, c'est pas dégueu à regarder, hein. Non, non, mais E-L-F. Elf. Ouais, j'ai jamais vraiment compris. Je sais pas s'il y a une rune après ou pas. Et je sais qu'en plus, il y en a plein de types différents. C'est comme nous, genre, t'es, les mapaches, ils sont tous un peu différents, etc. Les vulpins, on peut avoir des pelages différents, etc. Là, c'est pareil, eux, c'est pareil. C'est-à-dire que, tu sais, ils ont leur peau, tu vois, ils trient. Ils ont leur peau, c'est pareil, il y a des couleurs différentes et tout. Parfois, en fonction de la couleur de peau, ça veut dire gentil ou pas gentil. J'ai pas bien compris leur truc. En fait, ces elfes, c'est des sortes de ratopiers avec des membres allongés et pas de visage. C'est pas de visage, ils ont des visages, ils ont des yeux... Ils ont des longues oreilles. Des ouais. Gupil, il s'imagine une espèce de créature immonde à la Lovecraft, tu vois, tout de suite. Il commence à trembler un petit peu. Attendez, mais si jamais ils ont même pas de poils, ça doit pas survivre longtemps. Ils doivent vivre dans des sortes de cavernes. Ils ont des habits et des matériaux. C'est top. En vrai, c'est méga cool. Ils sont faits en quoi, les habits? Alors, c'est du tissu, mais ils font ça à partir de beaucoup de choses différentes. C'est du tissu de quoi? Alors, ils font de la soie, sauf que leurs verres à soie, ils sont ridicules, donc au final, c'est un produit rare là-bas. Je vais noter. Et ils utilisent des... Comment ils appelaient ça? Des fibres. Ouais, c'est ça, des fibres. En fait, comme nous, on fait du blé, ils produisent des trucs un peu chelous. Ils font des arbres. Ouais, un peu.
Non, c'est vraiment plus comme du blé, c'est vraiment des fleurs, c'est pas très haut, et puis ils prennent ça, et puis ils le transforment par des procédés. C'est même pas magique en plus, hein, je sais pas comment ils font. Bande de déjeuner. Une fois que la forêt a fini de brûler, on ira voir les herbes vêtements. Mais non, ça fait peur. Ça fait peur, maître, moi je veux pas aller là-bas. Non mais comme ça, on pourra s'entraîner avec tes boules de feu, on aura des cibles. Mais est-ce que j'en aurai assez? Ils sont nombreux, c'est self. Ouais, enfin, alors ça dépend de où, parce qu'il y en a, genre, ils sont bien planqués, et etc. Et alors, le pire, c'est les fées. Le pire, c'est les fées. Faut jamais faire confiance à une fée. Les fées, c'est la même chose, mais en ratatiné, on va dire taille nous, à peu près, et avec des ailes dans le dos. Et sauf que en fait, ça va vous dire « Hey, j'ai envie de jouer, fais un jeu, tu vas voir, c'est marrant !» Et en fait, ils vont essayer de te planter ou de faire une connerie qui va te tuer. Des sortes de mouches avec des couteaux. Des sortes d'enfants? Ouais! C'est des enfants à saltar, c'est pas des fées, ça. Par contre, je suis désolé, maintenant, pour moi, dans ma tête, une fée, c'est littéralement un elfe qui a été, genre, écrasé, qui est tout affinti. Avec des elfes. Ouais, justement, wide. Un elfe ratatiné. Wide et plat sur le haut du crâne. Bon, alors, maintenant que j'ai. Tu sais, j'imagine trop, c'est la fée qui arrive, c'est ton elfe crêpe qui arrive en mode. Finish me! Qu'est-ce que tu veux avec moi? Maintenant que j'ai deux nouveaux monstres de cauchemar, vous auriez. Ouais, attendez, je peux vous les montrer, je crois que j'ai quelques dessins où il doit y en avoir. Pupil est devenu tout pâle. Je vais retourner à la table avec les autres. Il va vous montrer du coup rapidement un dessin d'elfe assez. Un elfe. Ah, mais je m'attends. Ah, mais ça va. Tu m'attendais à ce qu'il mange des enfants. Non, mais il tue des trucs qui ressemblent à nous et les poils les font cuire. Je sais pas si j'ai envie en fait de sortir d'un Malwood. Tu vois qu'il est pas choqué. Et pas si choqué. Ils ont des trucs, ça ressemble à des galus, c'est pas des galus, c'est vraiment genre tout petit. C'est méga con. Oh, qu'est-ce que c'est con? Mais vous décrivez juste des bébés galus. Non, mais c'est quoi, c'est con à manger des cailloux? Ça peut pas être aussi con que ça, un galus. Alors, pour le coup, les bestioles, là, c'est vraiment con à manger des cailloux. Ça mange des cailloux, je l'ai vu. Ça mange des cailloux. Je sais pas. Au début, je pensais que c'était des bêtes un peu bizarres et puis tu sais que ça transformait les cailloux et que ça relâchait des pierres précieuses, mais non. Ah, c'est marrant, ça me donne une idée. Bref, plus tard. D'ailleurs, ils mangent des œufs aussi. Mais ça fait des œufs, les galus. Mmh. Il est. J'ai une question. Ça va peut-être paraître horrible. Est-ce que c'est un truc un peu de riche que, en gros, t'as... Est-ce que j'ai déjà entendu parler de gens, que ce soit dans des légendes ou etc., qui faisaient ça directement à Humblewood? Genre des gens qui, littéralement, mangeaient des œufs de galus ou... Il y a probablement eu des tarés qui ont fait ça. Ouais, t'sais, en mode simple, t'as un vieux riche qui se fait chier. Des petits sociopathes, hein, là c'est vraiment des sociopathes, c'est hyper grave. Hein, tu viens de poser la question, est-ce que il y a des vieux riches qui ont mangé de... Ouais. Qui mangent des bébés. Ouais, j'ai posé la question. Tu sais, j'ai grandi à Saltor. Hein. Le galus farci est dans l'or, du coup, c'est dans une... Non mais j'adore le fait qu'on vienne... T'sais, on nous propose de jouer une campagne mignonne avec des petits animaux qui sauvent le monde, tu vois. Genre, nos esprits, genre, Percy, il est allé où? Percy, il est allé chercher cannibalisme. Yep. C'est toi qui dis ça tout à l'heure. C'est toi qui parles de Galus Farci. Moi? Alors, maintenant que j'ai encore un nouveau monstre... Alors, maintenant que j'ai encore un nouveau monstre de cauchemar, vous auriez du bois de... cet endroit là-bas, là. Avec les galus qui mangent des cailloux et des œufs. Vous avez des trucs de là-bas ou pas? Des trucs de là-bas. Alors j'ai mon arme et mes techniques de forgeron que je ramène de là-bas. Justement, j'essayais de venir m'installer ici pour créer une petite forge.
Grâce à vous, je me suis fait un petit pécule quand même, c'était pas mal, merci. Pas de soucis. Mais sinon, là, ouais, à la rigueur, je peux peut-être essayer de vous fabriquer des trucs. Enfin, la forge est tout juste installée, elle est neuve, hein. J'ai pas encore touché à quoi que ce soit, j'ai pas beaucoup de matière. Mais ouais, je pensais essayer de créer une ou deux armes comme il n'y a pas. C'est quoi les armes de là-bas? Ça ressemble à quoi? Pas armé. Vous m'avez vu la dernière fois, la première fois. Vous vous rappelez? Ouais. Ça. Ils font pas des trucs plus légers? Oh, ils font du plus petit, ils font des trucs un peu comme ça. Et il va sortir de sa main, du coup, rapidement, un shuriken. C'est pratique, ces trucs-là. Ça peut servir. Oh, ça se lance, et en fait, ça tourne sur place, du coup, ça tranche et ça se plante. Ouais, ça, c'est pas un truc pour moi. Moira! Oui? Je te sens intéressé, et je vais te laisser avant de vomir. Je passerai à la forge pour en parler. Ouais, si vous voulez, ça, je peux en faire probablement 5 ou 6 en une journée. Et ça coûterait combien? On va mettre... Ouais, on va faire 4 PO parce que vous avez déjà payé pas mal. Mais c'est que le prix de la matière est assez élevé et je peux pas en faire beaucoup. Pour combien? Pour 5 ou 6? Oui. Et bah vous savez quoi? Je sors les 4 PO et je les pose devant lui. Je passerai les chercher. Super! Vous voyez qu'il du coup finit sa shop. Bon bah je vais bosser hein, parce que j'en ai pour la journée. Peut-être encore jusqu'à demain d'ailleurs, on verra. Je vais en mettre une cinquième de un cinquième PO. Prends le PO. Très généreux. Mets dans sa poche. Et sort de la taverne. Je fais un dernier genre piou, avec ma avec mon arbalète de poing en étant caché, en le faisant très discrètement, mais je ce serait tellement drôle qu'elle soit un peu décelée du coup que ça parte vraiment. Ça tu as un type derrière la fenêtre. Le jardinier. Pendant ce temps, yep, Almast, alors que tu es du coup à table avec Riffin, je vais vous demander de remonter rapidement. Il y a lui qui va se rapprocher. Pendant qu'il se rapproche, je vais faire... Commandant, nous cherchons une espèce de galus blanc, plutôt massif, avec une toche bleue. Si jamais vous le croisez, tenez-moi au courant. Ah, vous voulez dire le gars qui est de l'autre côté de la table, en face de nous? Je l'avais déjà vu, oui, en effet, c'est lui. Parfait. Et au moment où tu dis ça, t'entends juste derrière toi un... J'ai quand même formé plus de la moitié de la milice, notamment récemment. Je me rappelle pas de vous. Certes. Ça fait longtemps. Juste. Et je vais drop le déguisement. Non, je vais ramasser quelque chose et je vais drop pendant que je ramasse quelque chose. Comme ça, je suis plus discret parce que j'ai vu que le galus, sinon, il me voit. Du coup, on va éviter de faire des actes de magie violents devant les gens. Du coup, je vais faire tomber une pièce et en la ramassant, je vais... Tu vois Bélénie, du coup, qui s'attendait à embarquer quelqu'un. Qui... Almast ? Salut. Alors autant j'ai reconnu les 5 saisons, autant toi tu t'es barré sans rien dire. Plus ou moins. Je peux te retourner la question. La plupart des gens ne savent pas pourquoi tu es parti de... des Talons. La plupart des gens, pas la famille. Enfin, pas la famille. Ça dépend si t'es parti avant ma lettre ou pas. En tout cas, la duchesse est au courant. Oui, c'est...
je m'y serais attendu. Et quand j'ai entendu parler du fait qu'Ova partait et que le groupe des 5 saisons était actuellement à Alderheart, j'ai saisi l'occasion d'aller étendre un peu notre influence. Ah bah oui. Dès que t'as appris qu'Ova avait disparu d'une position de puissance. Hein ? Oui, en effet. D'ailleurs, tu as des nouvelles ou pas ? Ova ? Oui. Non. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, c'était justement par eux. Là, je voulais leur en poser quelques. Il m'avait dit qu'elle était partie chez les Tenders. Je suis sûr qu'on pourrait échanger des informations. T'as entendu parler des Ashtad ? Justement, pas trop. Ok. Mais peut-être qu'il faudrait en parler. Et je vais me retourner en direction de l'endroit où les autres sont partis, qui sont toujours en train de discuter. Et en train. Ils discutent, ouais. Il y a des carreaux qui volent un peu. Nous devrions peut-être en parler plus discrètement. Je crains qu'il y ait des parties intéressées. Présent, j'entends. Quoi, ouais, mais Sartim ? Tu sais où elle est ? Non, sinon. Ce serait transmis instantanément. Je crains. Crains, c'est un grand mot. Mais il y a parmi notre groupe un agent des Ashtad. Ok, avec ou contre Messartim ? C'est très important. Ils dorment à la maison ce soir. Tu auras l'occasion de discuter avec elle. Tu veux vraiment les faire rentrer à la maison ? Bon, sache un truc. Je suis passé à Saltar. Et la famille Ashtad s'est mise d'accord pour bannir Messartim de leur rang. Cela dit, je peux pas être certain de ce qu'ils avancent. Après tout, ils nous ont trahis, ils ont failli prendre notre dernier navire. J'ai au courant ça ou pas ? Nope. Bien, si j'avais su, j'aurais un peu plus secoué les deux Ashtad qui sont Talavium. J'en reviens. Eux ne sont au courant de rien du tout. Mais je suis certain qu'ils ont eu l'occasion de discuter avec l'agent. Le truc, c'est que la plupart de leurs agents de liaison, en tout cas ceux qui étaient liés à Sheraton, j'ai retrouvé leurs cadavres. Eh bien, quand tu étais à Saltar, tu n'as pas eu l'occasion de voir certains de leurs membres et d'avoir quelques nouvelles ? Peut-être que tu es en mission actuellement ? J'ai pu voir la matrone directement. Qui m'a certifié après une discussion, on va dire, tendue. Ça m'étonne. Que la prise de pouvoir et l'attaque sur notre famille ne venait pas d'elle. C'est la vérité ? Ashtad. Je marque un point. Très bien. Eh bien, la duchesse est au courant, j'imagine. La duchesse est au courant, c'est pour ça que elle peut pas recontacter certaines personnes pour la sécurité. Et le problème, c'est qu'en fait, si on mêle d'autres personnes au Ashtad, ils vont finir par croire qu'on leur coupe leur seul revenu encore valable. Et si on leur fait confiance, on a moyen que ça se retourne contre nous. Je suis certain qu'avec ta capacité et les contacts que j'ai pu acquérir très récemment, nous aurons plus d'informations là-dessus dans les jours à venir. J'ai également quelques trucs à te raconter, particulièrement potentiellement une prise de position au conseil ou ce genre de choses. En tout cas. Moi, au conseil, un politicard, ça va pas, non ? J'ai pas rejoint les Talons pour rien. Un politicard ? Peut-être pas. Mais je ne parlais pas de toi, je parlais de moi potentiellement.
Nous verrons. Pardon. Tu rigoles, mais... J'avance petit à petit. J'ai plus d'infos que tu n'en as, j'en suis sûr, et... Mais bon, nous aurons l'occasion de... T'as sûrement plein de soutien dans l'Assemblée. De nombreux soutiens. Nombreux, très nombreux. Je parlais plus d'informations concernant la corruption de certains... Ou, d'informations, des preuves concernant la corruption de certains membres du Conseil. Et pas ceux que j'ai déjà retirés savamment afin d'ouvrir une place pour potentiellement quelqu'un qui pourrait nous intéresser. Mais c'est sûr que agir comme un politicard, ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse. Non, juste pour savoir, par contre, parce que ça, encore, malgré tout, dans la famille, on l'a un petit peu. Il nous reste combien de faveurs au Conseil ? Enfin, faveurs que ce soit au Conseil ou à l'Assemblée. Tu penses qu'on pourrait en tirer encore combien parmi nos alliés ? Je sais. Je saurais. Probablement zéro. Parce que t'as déjà bien tiré dedans. Les infos que t'as données récemment, qui sont des infos lourdes, tu sais pas quelles répercussions elles vont avoir. Ouais. Mais pour l'instant, s'il y a des gens qui te doivent des faveurs, là, approximativement aucune. Indirectement, Harlock Quartz, quand même. Du coup, c'est ce que je vais dire. Ok. J'ai très récemment eu une relation plutôt proche avec Harlock Quartz. Nous l'avons particulièrement aidé. Je suis certain que, après le... Comment dire, la bonne foi dont j'ai fait... dont j'ai attesté, je suis certain qu'il serait plus que ravi de nous aider, par contre, dans des voies plutôt légales. Ça n'a pas l'air d'être le genre à agir dans l'ombre. Mais j'ai récemment transmis des informations à un de nos conseils, un de nos contacts à l'Assemblée, qui sont fort intéressantes. Je suis certain que ça a une certaine valeur. C'est à ce moment-là, les autres, que vous allez intervenir dans la conversation, que vous allez arriver. Vous voyez, du coup, cette personne dont vous vous rappelez pas forcément tous. On est d'accord que je sais très bien qui c'est. Alors, toi, oui. Dans ce cas, je vais juste m'approcher vers... Monsieur Astéri ? Je vois qu'il te regarde, du coup... C'était il y a Almast, quelques années. Avec non, il a un message. Avec un sourcil, genre, levé. Genre. Je tousse. Et il a un message. Il m'entend tousser psychologiquement. Enfin, il m'entend tousser avec message. Je tousse dans la main, il m'entend tousser avec message. Ok. Du coup, voilà. Il y a juste ça qui sort dans son cerveau. Yep. Juste, il... s'approche directement et te fait signe de t'approcher, Moira, à l'oreille. Je vais m'approcher. J'ai découvert le cadavre de Moira Dolos il y a déjà 3 jours. Et... Je vais reculer les fers. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu. Je me doute que vous vous souvenez plus de moi, mais... Non, c'est sûr, ça fait très longtemps. Votre disparition a été signalée quand même il y a plus d'une semaine. Hein. Disons que avec tout ce qui s'est passé, la viande et tout ça, j'ai eu beaucoup à gérer. Ça vous dérange si on en parle dans un autre endroit ? Non, ça me dérange pas d'en parler là tout de suite en public, notamment devant le commandant en chef de la garde du Perchoir. Comment dire ? C'est un sujet un peu particulier, disons-nous. Attendez, mais ce serait pas Ebonheart ? Fuck ! Tu me vois comme bien con ! Vous ne m'aurez pas comme ça sur la place publique. Le Gus qui est là, il se tourne. Ah, où ça ? Disparaît. Je caste Detect Magic. Je cours me mettre Detect Magic, devant la porte. C'est 30 feet, je crois. Oui, c'est 30 feet. Il me semble que c'est 30 feet.
Alors, ouais. Detect Magic en action pour moi aussi. Ok. Je me mets devant la porte. Mais comment ça, donc, tu t'es essayé de m'avoir sur la place publique? J'ai essayé de t'avoir, j'ai rien fait du tout. Hein. Bah non, pour le prévenir directement. On va faire un petit jeu. Je vois que ça respecte sa parole. Let's go. Juste histoire de... C'est plus que mon frère. Je veux bien avoir la même mission. Hop. Alors, attendez, faut que juste que je me fasse rentrer en combat. Je suis désolé, mais là, c'est... Alors, je sais pas si en tenant contrôle, je vous sélectionne tous. Non. Drag avec le clic, tu sélectionnes tout le monde. Oui, c'est, tu fais une boîte comme sinon, ça. Sinon, c'est avec problème, majuscule. C'est que je veux pas sélectionner tout le monde. C'est avec majuscule. Tu fais shift, je crois, pour enlever. Shift gauche, ouais. Clic. Hop. C'est ça. Pierre, tu le fais en plusieurs fois, ouais. Ouais, je vais le faire en plusieurs fois. Hop. Normalement, il n'y a pas besoin, comme dit Baron, shift-click, ça marche. Shift-click ? J'ai fait yes, contrôle-click. Non, justement, c'est pas contrôle, c'est shift sur... Ah, pas de soucis. Mais c'est fait. Ok. Il n'y a pas d'orage, j'ai oublié. Oh, mais... Je suis vraiment cursed, hein. Oh, mais toi... Je suis vraiment cursed avec ce perso. J'ai roll 2. J'arrête pas de roller en dessous de 4. T'as plus 7 en init. Ouais, j'ai plus 7 en init. Moi, je propose que... On vous laisse gérer votre merde et nous on va cacher les bonnes. On va aller prendre des bonnes arts, hein. Mais tout le monde va prendre des bonnes arts. Il faut qu'on y aille. Vous êtes en train de discuter. Yarifi, t'as chopé le bras en disant attends, c'est quoi cette histoire? Vous êtes en train de taper la discute. Maintenant on va aller capturer le méchant, d'accord? Reste dans ta meilleure discute. Ta meilleure discute avec lui. Attends, je lui ai proposé d'en discuter à un bon endroit. Moi ça m'allait et lui. Si je fais la musique, normalement c'est pas forcément très long. Hop. Tout le monde roll mieux que moi alors que j'ai plus 7. Almast. Du coup, tu l'as vu disparaître, t'as pas de detect magic ou quoi que ce soit ouais. Actif, donc je ne te donne pas d'informations. Juste, la personne actuellement a disparu. Je vais vérifier un petit truc parce que c'est pas quelque chose que j'utilise souvent. Non, ok. Et bah du coup, je sais que c'est quelque chose que je n'utilise pas souvent, puisque je n'en avais pas... Dans l'or, je n'en avais pas la capacité pour l'instant. Mmh. Et je vais sortir Chardon. Ouais. Et je vais le pointer en direction de l'endroit où il était, je cast Spike Growth. Dave, il va tuer quelqu'un. Alors, le Spike Growth avec l'épée... Ah, il est centré sur c'est... moi. Oui, bah, c'est vrai, j'ai oublié. Hop, let's go. Peut-être aussi un personne ne bouge, non? Tu vas tuer. Mais t'inquiète pas. J'ai pas terminé mon tour. Excuse-moi. Ouais, tu dis quoi? Parce que je crois que c'est 20 feet autour de toi quand même, c'est grand. Hein. Ouais, c'est 20 feet autour de moi. C'est un rond ou un carré? J'ai vérifié tout de suite. C'est un rond. C'est un rond. Un rond, ouais, c'est ça. Blablabla. Tu fais glisser le spell sur la table, ça met le template. Par contre, ce qui me tue, c'est que vraiment, genre... comment ça s'appelle les pics apparaissent de manière naturelle. Je te laisse dire comment ils apparaissent, parce qu'il n'y a aucune idée comment ils apparaissent de manière naturelle. Tu vois qu'en fait, le bois des tables, etc., commence à sortir et à faire des épines de partout ouais. Autour de la lame, alors que celle-ci rayonne extrêmement vert et d'une puissance assez élevée. Mais déjà, je vais dire un truc tout bête. Est-ce que je fonce dans quelqu'un là où je suis? Nope. Ouais, très bien. Par là où t'es passé, t'as rencontré personne, oh, non, t'as lancé ça, et t'entends juste le Galus en face qui fait « Oh putain, c'est quoi ce merdier ?» Non mais du il coup... une tarte l'autre. Personne ne bouge à faire de la milice locale et du commandant d'Aldehart. Ok. Guppil. J'aurais une info pour Guppil oui. Avec son Detect Magic. Tu les vois, Guppil, j'ai eu une info avec ton Detect Magic. Mais du coup, oui, mais je vais en donner une autre. Ça ping là, aura d'illusion. Ok. Et moi j'ai sur la main de Guppil, de Humin, ça ping illusion, nécromancie, abjuration. Yep. Ça ping évidemment aussi illusion sur moi.
Yep. Tu peux me redire tes écoles, Humine? Abjuration. Illusion. Nécromancie. Nécromancie aussi, ok. Tu es Ebonheart. Je commence de plus en plus à l'aimer. Je crois que Ebonheart, tu l'as ping là, de mémoire. J'ai ping quelque chose. J'ai pas forcément ping Ebonheart. Yep. C'est vrai. Tu as raison. Je vais te regarder comment gérer la merde. Si seulement il avait pas eu un round de surprise. Si seulement vous n'aviez pas forcé à le faire. J'ai pas pris dispel. Ok. Ah, peut-être pas ok. Si. Non. Alors, j'ai une question, Zaf. Oui. Les créatures qui sont entourées de mon aura de détection magique. Est-ce que tu considères pour le the purpose of spells, what I can see them? Est-ce que je les vois, du coup, pour toi? Est-ce que si je veux lancer un sort, tu considères que je les vois? Tu l'as pris, tu ne le verras pas. Tu pourras tenter le tir à des avantages. Non, si c'est pas des tirs. Où il y a un jet de sauvegarde, je donnerai avantage à la cible. Et pour detect et pour detect fault. Pour detect fault, là c'est compliqué parce qu'il faudrait vraiment que tu visualises. C'est prévu dans le spell. C'est prévu dans le spell en cas d'invisibilité. Oui. En cas d'invisibilité, tu détectes les gens par leurs pensées. Alors oui, tu détectes les gens par leurs pensées, mais est-ce que tu peux les cibler? Ça par contre, c'est pas explicite. Parce que je perçois une créature pensante. Est-ce que par contre, je peux la cibler avec l'effet du sort? Ça, je dirais que pour creuser, je vais lui donner l'avantage. Pour creuser, je vais lui donner l'avantage. Mais je pourrais quand même le viser, du coup. Ok. Pareil, point de ruling, pas pour tout de suite, mais qui sera utile pour plus tard. Si je veux Magic Missile, peux viser l'aura ou pas? Non. Non. Là, pour le coup, non. Ok, très bien. Parce que tu te dis, c'est par là, mais est-ce que c'est la case d'en haut, la case d'à côté? Je considère que je vois l'aura et pas la créature elle-même, très bien, y a pas de souci avec ça, c'est faire. Ok, alors. On est d'accord, le ping, tu m'as dit, il est là. Ouais. T'es le seul à avoir cette info, là, actuellement. Je vais le mettre ici. Yep. Je vais faire... J'ai pointé du doigt, en fait, devant moi, au sol. Ok. Detect fault. Ok. Quelle est la pensée de surface actuellement? Est-ce que c'est Oshi qui vont buter? Ou est-ce que c'est ils ne doivent pas obtenir les secrets de mon rituel? Je vais détruire Brackenmill. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Oh non. Que fait Riffin ici? Pourquoi il me traque? Il n'a pas eu de message. On lui a pas eu de message. Fuck! Est-ce que tu m'autorises à ajouter un truc court? J'ai pas parlé, remarque, j'ai juste pointé au sol. Ouais, actuellement t'as pas parlé. En action gratuite de parole, du coup j'ai juste crié. En regardant devant moi, c'est comme s'il y avait quelqu'un d'invisible pour que les gens comprennent. Nous voulons qu'on aille, nous voulons discuter. On verra si ça a un effet. Muin n'est pas sur la carte. Est-ce que je peux avoir un petit Muin qui va rouler sa petite initiative, s'il te plaît? Alors, logiquement, il serait vers l'entrée. Parce que je l'aurais mis à contrôler un peu les entrées et les sorties. Donc, à mon avis, ce sera posé au bout du comptoir. Ok. Le patron l'aura viré, il veut pas d'un oiseau. Le patron l'aura viré, ok. Ouais, il volera peut-être un peu à l'extérieur. Ou... Si... Alors, s'il se met là, ça passe pour toi? Oui, sur la rambarde là, oui. Voilà, ok. Il regardera le patron un peu en chien de faïence. Je vais rouler un D20 pour mon petit Muin. Il est en D20 plus 1 de mémoire. Ce sera un 16. Bah, il joue juste après. Ça reste mieux que moyen. Que j'allais dire. Pardon, Mario. Heureusement que tu peux le ressusciter. Là, je suis en situation de crise. Ah merde. C'est pas le moment de rigoler.
Ah merde. Hop, normalement, voilà, il y a un vrai petit mulin. Nickel. Parce que toujours il plante ce token, je sais pas pourquoi. Et il s'est pas mis dans le turn order. Non, il s'est pas mis dans le turn order. En fait, là, pourquoi il faut que toi tu le mettes, moi je pourrais pas le mettre. Une. C'est fait. Et normalement, ce sera lui. Je vais juste vérifier son DP. Il a 60. Tu as dit 17, c'est ça ? 16. 16, bon, c'est pas grave. Ça revient au même. Sauf si il y a pourquoi il y a des créatures que je ne vois pas dans le turn order. Il a 16-13. Normalement. Ah oui, c'est bon. Il va venir en volant. Se mettre ici. Yeah. En se mettant à 5 pieds à peu près du sol en voltant. Et... Parfait. Il va tenter. Il va tenter de gêner la créature qui est invisible. Pas la peine de me dire. À toi de voir s'il arrivera à le gêner ou pas. Il va tenter de battre des aides, c'est de se mettre un peu dans son visage. Ouais, pas de soucis. Je lance aide en soi. Sur lui, si on veut faire une action pour le mettre à terre, par exemple, ou autre. Voilà. Yep. Donc, avantage Papi, prochaine attaque. Vu... Yep. Papy, t'as vu Gupil pointer, mais toi, tu n'es pas dans ta range, donc tu n'as pas de ping. Cela dit, du coup, qu'est-ce que tu fais pour ton tour ? Je vais venir, genre, ah, merde, 5 pieds, putain. Gauche de la case. Attends, qui... à la table, hein, tu veux pas monter sur la table ? Non, mais je vais... T'es pauvre lombaire. Ouais, non, mais yep. il peut pas. Yep, pas de soucis. Et il détecte évidemment quand t'as avancé un petit peu. Hein. Très bien, je vais faire un. Et, monsieur Ebonheart, nous venons juste parler pour le moment. Et nous aimerions que cela se passe de manière diplomatique et calme. Ok, c'est ton action ? C'est mon action. Ok, tu peux me rendre un jet de persuasion s'il te plaît ? C'est un advent pour un 25. Ok. On verra ce qui se passe, parce que tu ne vois pas de réaction actuellement. C'est un autre type, je me suis trompé. C'était avec... Oh, ok, excusez-moi, c'est pas moi qui ai volé. Quoi ? Putain, c'est pas mon mec. Crébonart. C'est un autre type. Il a cru qu'on parlait de lui. Putain, il y a eu un malentendu, merde. On a chopé un criminel de guerre, c'est pas le bon. Où il est ? Je le vois pas ! Où est cet oiseau de malheur ? Ah merde. Ah merde. Froid, il est... Bon, enfin, c'est... Il va boutouf. C'est notre ami, mais c'est un combo, quoi. C'est humide. Et vous voyez, regardez, droite, gauche, haut, bas... Ok. Tu cherches partout. C'est ça. Très bien. À la limite, il vient se mettre ici au milieu pour voir tout le monde. Ok, pas de soucis. Bonheur, t'es où ? Moira. Je vais voir que du coup Frôle s'est éloigné. Je vais aller vers Frôle. Donc faire ses 20 feet. Nice, 15, ok. Et je vais faire... Je lui bloque la sortie. Je vais aller... Elle est où la porte ? Ouais, elle est là, ça la porte. Ça, c'est des fenêtres, ouais. Ça, c'est des fenêtres, ouais. C'est un peu... La porte, elle fait 10 pieds. Hop, du coup, je vais utiliser mon dash. Je vais aller juste de l'autre côté. Ok. Ce qui fait que là, je suis à 40. C'est là, il va sauter par une fenêtre. 50. Je vais m'arrêter une fois que je suis là et fermer la porte pour qu'il voit que je ferme la porte. Et je vais prendre mon deuxième dash pour partir en courant. Ok. Je me dirige vers un endroit spécifique, je t'envoie un MP. Question que je me fasse avoir comme ça. Moi je m'attends à ce que tu barricades et que tu foutes le feu à l'auberge en fait. Très bien. Moira est donc partie. Riffin. Moira est en... Non, elle est pas coup... partie Zaf, elle est en cavale. C'est différent. Et à la vitesse à laquelle elle court, demain elle est à Salta. Hein. Après, elle a pas le bot encore. T'as oublié de faire ça. C'est pour ça que je les veux. Hein. C'est pour échapper à la loi. Très bien. Séance combien ? On est officiellement recherché ? 38, 39 ? 39. Séance 1 pour moi.
Oui. Bref, perso. Hein. T'étais dans l'illégalité, ce... t'étais pas encore en cavale. Non, puis il y en a qui se sont déjà fait choper aussi. Sur ce, c'est Riffin qui juste se tourne vers vous. Quoi ? Eh ben... Ah, le galus blanc. Ah oui. Oswald. Juste vraiment, ils veulent vraiment me parler. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et de toute façon, je suis là. S'ils font quoi que ce soit... T'as coupé. S'ils font quoi que ce soit, ils se tuent. C'est à moi qui... C'est à moi qu'ils vont avoir à faire. Fireball. Il va faire lui aussi sa persuasion. Je vais juste lancer un petit D20. Ça, c'est un peu chiant. Hop. Nice. C'est Griffin pour vous. Nice. Heureusement qu'on a eu mine. C'est Griffin. Ouais. On sait qu'on doit prendre un nat 1. C'est littéralement pas un strich. Celui, c'est une chouette. C'est yep. Un mot de chouette. C'est une chouette awakened. Depuis le début, il fait croire que c'est un strich. Ah merde. C'est une chouette awakened en armure custom. Putain, merde. Gupil, j'aimerais que tu me fasses un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît. Oh. Les dommages avec 8 en force qui essaie de se bourriner la tronche. Je peux savoir pour résister à quel effet, s'il te plaît? Prone. Acrobatie ou athlétisme, tu veux dire sûrement. Là, c'est jet de sauvegarde de force parce qu'il y a quelque chose qui te rentre dedans. Que tu ne vois pas. Okay. Tu le sens, mais tu ne le vois pas. Il essaie pas de te pousser, juste il te fond dedans. Normalement, l'effet revient au même, mais ok. Ce sera un 4. On va faire ça comme ça. Gupil, tu tombes par terre sur ton arrière-train. Face à toi, apparaît non pas un galus, mais 18 un corboum. Ah merde, t'as pas le truc. Il est lui aussi sur le cul. À te conseiller. Tac. Est-ce qu'il a fait autant? Ah, ils ont tous les deux fait 4. Ah, ok. Oh là là. Le... Peu importe la génération, c'est des victimes, les mages. Et juste... Attention à la fireball. Val qui regarde. Qui est... S'ils veulent vraiment me parler, pourquoi ils lancent des sorts? Pourquoi ils me poursuivent? Et hop, il est transporté ici, en fumée. Il juste se dirige vers la porte, mais ne l'ouvre pas encore. Vous voyez qu'il se retourne et juste vous regarde. Qu'est-ce que vous me voulez ? Ton aide ! Honnêtement, si on vous poursuit, c'est peut-être parce que vous faites des expériences à moitié illégales dans les sous-sols de l'académie. C'est pas illégal, c'est important. Alors c'est important, je vous l'accorde, mais on aurait aimé le savoir avant qu'on tombe dessus et que ça essaye de nous tuer. Oui, Riffin qui s'approche, qui fait... Oswald, t'as disparu depuis 30 ans. T'es pas censé être mon parrain à l'origine. Oh. C'est juste Oswald qui est... Bon. Si, mais Je peux pas, Riffin, j'ai pas le temps. Oswald. Comment avez-vous osé faire ça à Mordhan? On a... C'était votre ami. On a besoin d'aide. On a besoin de ton aide. Donc si... En fait, il faudrait que tu nous aides. Donc on a besoin de toi. Donc tu t'enfuis pas.
Un véritable diplomate. Oh, et puis j'en ai marre de courir. Et puis ton expérience, elle a failli tuer mes copains, donc tu t'enfuis pas. Et tu t'excuses. Écoutez la sincérité dans sa voix. Et je lui donne une inspiration bardique. Yeah, Frol, fais-moi un jet de persuasion, même si la DC est très basse. Ok. Au cas où, le D, c'est combien? C'est D6? Un D6 en plus. Si jamais tu veux l'utiliser, t'es pas obligé de l'utiliser. Ouais, non, bah on va voir. Que tu utilises le D6 ou pas? Je vais quand même utiliser le D6. Allez. Le plus en. 17. La DC était à 11. Svald se tourne vers vous et... Pas ici. Au vieux manoir. Ça. Vous voyez qu'il se tourne lentement, qu'il ouvre la porte, mais qu'il commence à sortir en marchant. Arrête de t'enfuir! Je fais 2-3 pas pour sprint et le rejoindre, en fait. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de signe de la personne qui tenait la porte de l'autre côté. Au cas où. Tu vois Bélani qui se rapproche de toi, Almast. On fait quoi pour la fausse Moira? Bonne question. J'avoue que je te faisais confiance pour essayer de la rattraper, mais... Alors là, j'ai été un peu pris de court, parce qu'on m'annonce un nom de la ville qui a disparu depuis des années. Derrière, un gars qui s'enfuit, un autre... toi, qui fait apparaître des ronces de partout dans la taverne. Non, pas, t'aurais pu blesser des gens. J'aurais pu blesser des gens, en effet, et Bonnard aurait pu nous carboniser. Oh bah de ce que je vois, le petit vieux, il a pas l'air d'être violent. Hein. Et ce que je vois, je me retourne vers le Galus. Lui, il n'a pas été blessé. Mais bon, qu'importe. Rejoignons-le au manoir et Bonnard, tu es le bienvenu si tu veux venir. Mais... Oh bah j'en ai rien à faire du vieux. Écoute, moi j'ai d'autres affaires et je vais commencer la criminelle, là. Très bien. Mais amuse-toi bien et si tu la croises, dis-lui de nous rejoindre, on l'attendra. Yep. Si elle est pas là ce soir, on va dire quoi, 17h, laisse tomber. Tu peux emmener directement dans les cellules. Ok. Si tu croises un hashtag, quoi qu'il arrive, ou même un de leurs amis, que ce soit, demande des questions sur Messartim. Je l'ai perdu de vue quand elle est... En fait, j'ai cru qu'elle descendait à Saltar et elle est remontée ici. Mais je l'ai pas retrouvé depuis. Et j'ai pas retrouvé sa trace. Ça tombe bien, j'ai un nouveau sort que j'ai envie d'essayer. Tu fais de la magie, toi, maintenant? Je montre la table derrière moi. Qui maintenant est tout à fait tranquille. Du coup, est-ce que c'était de l'illusion? Est-ce que c'était vraiment des épines? Très bonne question. Et je monte la table et je sors avec le coup. Genre, tu maîtrises ce genre de truc? Et ça, c'est même pas ma magie, ça. C'est juste... Je me suis fait plus que des alliés humanoïdes. Et c'est pour ça que c'était puissant, d'ailleurs. C'est que c'était pas la vôtre. Et je vais ranger... Hop, je casse Shatter. Non, Let's go, toi aussi t'es criminel. je vais ranger mon épée. Ok. Sur ce, du coup... Et je tiens à dire que quand Yumin il arrive, tu vois juste Frol qui maintient Oswald. T'es en train de ceinturer Oswald? Ouais, bah pas fort, mais juste parce qu'il, dans tous les cas, il va pas s'enfuir avec le peu de force que je mets. Il a voulu s'enfuir. Vous le voyez? Juste. Vous pouvez demander à l'autre balourd de me lâcher. Il comprend bien que ça sert à rien. Non, il comprend pas, c'est ça le problème. Humine, j'en fais quoi? Lâche-le. Mais il va s'enfuir! Vous allez vous enfuir, Oswald? Non. Si
sûr. Bah là, je... Écoute, s'il s'enfuit, ce sera des traits de feu, dans tous les cas. Ah non, je sais, je ferai boule de feu. Puis je le pose. Oui, alors, boule de feu, c'est la hache. Si j'étais vous, je voudrais pas la rencontrer. Eh oui, dans le groupe, tout le monde fait de la magie, maintenant. Il y a aussi rayon de froid, et ça, c'est la dague. Mais faut pas en parler. J'avais une question. Vous voyez qu'il sourit légèrement. Vos théories nécromantiques, là... Pas ici. Non, la maison. Une question plus simple avant qu'on arrive. Vous avez une particulière, je sais pas, allégeance religieuse quelconque ? Quoi faire ? Disons que c'est plutôt important. Non. La religion n'est qu'un verrou de l'esprit et de la recherche. Ah, c'est ce que je peux faire un jet d'insight sur lui. Similaire, pour savoir s'il est sincère dans ses paroles. Mm-hmm. Est-ce que je peux mettre... Pendant que tu fais ça, je me souviens plus, on lui avait envoyé le message ou pas, le sending ? Ouais. Oui, il y avait eu un sending qui était parti. Ouais. Le problème, c'est que le premier truc qu'il a vu, c'est quelqu'un qui a cassé des spikes grosses autour de lui sur la table. Le premier truc qu'il a vu, c'est quelqu'un qui le pointe du doigt en disant « Ebonheart !» Non, qui a dit « Ce serait pas Ebonheart !» Maître Ebonheart, vous avez reçu un message, normalement, il y a quelques jours, demandant à parlementer. Il y a trois jours, si. Doc Fraser m'a envoyé un message. Oui. Me disant que Riffin serait là. Oui. Et vous avez quand même cherché à vous enfuir. Ne serait-ce pas votre réaction lorsque quelqu'un vous pointe du doigt et qu'une personne juste après lance un sort très puissant ? Je pense pas qu'un sort soit très puissant à votre niveau. Alors peut-être la première réaction, et puis après je pense que j'aurais vu les deux autres qui avaient clairement moyen de me désintégrer et qui l'ont pas fait et qui voulaient juste discuter, et là je me serais peut-être calmé. Sans pousser le plus petit au sol. Non, j'ai essayé juste de passer et je voulais sortir de la taverne. Ouais, en soi, la seule personne qui était blessée ici, c'est moi. Je ne voulais pas détruire la taverne. Oui, bah clairement, nous non plus, sinon on l'aurait fait. On voulait pas vous détruire, vous non plus, parce qu'on l'aurait fait aussi. Je dirais que vous avez quelque chose à vous reprocher, Maître Ebonheart, quand vous réagissez comme ça. D'ailleurs, Maître... Il dit rien et il tourne la tête. Tu l'as lâché, Frôle, ou tu lui fais toujours... Non, je l'ai lâché quand j'ai dit qu'au cas où j'utiliserais boule de feu, mais... D'ailleurs, Maître, vous avez été blessé ? Et je vais lui mettre la main sur l'épaule et je casse Cure Wound. Je vois que le sort en soi ne fait rien en termes de blessure. Il a absolument. Mais il y a un certain réconfort quand même. Bah c'est un des 8 de soins moral. Très bien. Un des 8 de soins psychologiques. Non, et je fais. Le but n'était évidemment pas de vous blesser. Le but était simplement de vous immobiliser. Si j'avais pu vous voir, j'ai des techniques bien plus efficaces que quelque chose de zone et de si barbare. Barbare n'est pas le bon mot. De si alien à ma nature. Et je vais toucher mon épée et genre, pas la caresser, mais faire « Merde, j'ai fait de la merde, sache-le. » Yep. T'as senti qu'au mot barbare, il y a une épine qui est sortie du fourreau qui t'a piqué la cuisse. Mais j'ai réagi quand même avant qu'elle me pique. Yep. Pour me rattraper. Tu vois du coup l'aiguille qui est vraiment juste au niveau de la cuisse, qui est prête à piquer. Qui se rétracte, mais genre très lentement. Les gars, on a la tête à droite, la tête à gauche. Elle est où, Moira ? Elle a pris l'avance. Elle plus tard. Elle est partie se balader. C'est pas où est-ce qu'on va. Ils vont bien décider là maintenant. Elle court si vite qu'elle a également les informations plus vite que nous.
Frôle, Moira, c'est une chasseuse avec un entraînement de chevalier. Honnêtement, si elle veut nous retrouver, elle le fera. Oui, alors, excuse-moi, mais un entraînement de chevalier, c'est pas son style de combat qui montre que c'est un chevalier. Mais... C'est pour ça que j'ai dit chasseuse avant. Ouais, si j'étais taquin, chasseuse. J'ajouterais assassin derrière. Pas besoin d'être taquin. Comment ça, Moira, d'être un assassin? Mais t'as vu comment elle dérouille nos ennemis? Ah oui, mais un assassin, c'est discret. Et ça attaque par derrière. Bah, c'est pas Moira. Enfin, même si elle est un peu discrète. Mais... Tu es trop concentré sur le combat pour t'en rendre compte. Mais si, c'est Moira. T'as raison. Elle attaque pas par derrière, elle attaque sur le côté gauche. Ou sur le côté droit. Après t'avoir aveuglé. On parle bien de ce côté droit-là, hein, du bon. C'est la définition d'un assassin. Vous allez marcher un bon moment, toujours en discutant. Pour arriver du coup sur le domaine des jonquilles, la terrasse des jonquilles. Bon ordre du coup traverse. La zone est morte. Y a pas d'autre nom. Les terrains sont à l'abandon, c'est de la friche, personne n'y a touché. Et vous voyez qu'en fait en arrivant même au manoir, le manoir est en ruine. C'est un débris. Les plantes ont grossi dessus, les portes sont défoncées, rien qui... Et Bonnard traverse toujours devant, vous montrant le chemin. N'a pas l'air de se soucier de l'état du manoir. C'est seulement au niveau de la porte que vous allez voir un écusson. L'écusson de la famille. Un corbeau, un grand corbeau, aux ailes ouvertes. Avec une flamme derrière qui pourrait faire sembler au symbole de Guesme, juste à la différence qu'il ne porte pas la baguette avec la flamme. Vraiment, la flamme émane de derrière lui. Et il y avait probablement un bandeau avec une maxime, mais celui-ci est cassé. Juste et Bonnard rapidement les pousser. Finalement, me mettre un coup de pied dedans et... Ah ! J'avais oublié que c'était en pierre. Vous voulez de l'aide ? Non, c'est bon. Maison de mes deux. Et il rentre. Il vous amène... Un deuxième étage, prenant un escalier pour vieillot, dont les planches ne sont pas vermoulues, il n'y a aucune humidité actuellement. Et vous sentez qu'elles sont très sèches et fines, probablement bouffées par, non pas des termites, mais d'autres. Des énormes termites. Si t'as des termites à Aldehort, l'arbre y tombe. Où j'invente ça. Yep. Non, les termites, ça fait des guerres. Hein. Bref. Des guermites. Il vous amène dans une sorte de salon. Et vous revoyez encore le seau. Et il y a une sorte de petite bibliothèque sur le côté. Il va en prendre un livre. Regardez le livre qui est dans un... Très sale état, très poussiéreux. C'est un très vieux livre qui ressemble plus à un recueil. Quand vous l'observez, ça ressemble à quelque chose qui pourrait appeler un carnet de voyage. Il vient, se pose, s'assoit sur une sorte de vieux fauteuil qui lâche un énorme nuage de poussière qu'il fait disparaître devant lui. Comprenez bien que c'est pas de ma faute. Avant, je suis sûr, je suis sûr que les Pildas se sont animées toutes seules. Avant toute chose, je pense que il serait sage de établir un espace où seule la vérité transparaît. Cela ne vous gêne pas?
Et je vais commencer à cast Zone of Truth et je vais le hold en attendant qu'il me réponde. Afin qu'il puisse voir ce que je suis en train de caster. Exactement, si, quand même. Ouais, ça. Mais il t'a vu, il a reconnu et il s'en fout. Et ben je vais le cast. Et je vais le cast sur nous aussi. Ok. Du coup, je vais avoir besoin des saves de tout le monde. Sauf s'ils veulent pas save. Je vais refuser, je vais perdre. C'est okay. Une save de quoi? Sagesse. Ne sachant pas ce qui se passe, je vais forcément... Mais si, tu l'as déjà subi. Tu l'as déjà vu plusieurs fois. Ouais, non, je l'ai déjà vu, mais je suis pas prêt à le recevoir. Bah, j'ai quand même dit avant. Oui, si tu veux. Il n'y a pas de soucis. C'est save... C'est 15. Ouais. Nope. Non, sans mais quelque ouais, chose mais c'est... s'immiscer en toi. C'est... Attends... Est-ce que... Mais c'est de la merde. Ah oui, ok. Est-ce qu'on sait... Non, moi, en tant que caster, je sais pas si les gens, ils ont résisté ou pas. Tu sais si la personne a résisté ou pas. Là, actuellement, Oswald n'a pas résisté. Et on est avec Beleni. Beleni, non, il est parti à la recherche du criminel. Ouais, c'est ça. Pupil, du coup, est là. Ouais, donc vous êtes dans une zone of truth lancée par Almast. Voilà. Tu résistes ou pas? Moi? Non, Gupil. Ouais, moi j'ai cherché à résister. Ok. Bah, 15 du coup. Par contre, je précise que pendant toute la première moitié de la conversation, j'avais encore mon Detect Thought d'actif. Non, même pas de soucis. Du coup, j'ai rien perçu de supplémentaire par rapport à ce qu'il a dit. Non, tu l'as vu en fait quand il est allé chercher le fameux carnet. Il a fait de façon, c'est de leur faute. De toute façon, c'est tout est de leur faute. Moi, je fais que subir toutes ces conneries. Je suis fatigué au bout d'un moment. Ok. Et, ok, c'est un échec pour la save. Vous le voyez, du coup, avec son carnet de voyage. Il y a de ça 40 ans maintenant. J'étais à l'avium, mais je m'ennuyais. Je suis parti sur les routes. Pour voyager, pour apprendre, selon les désirs de la grande famille Ebonheur. Mais il n'y avait pas que ça. Le nom Ebonheur vient avec un fardeau. Une prophétie. Nous sommes les détenteurs d'un sceau. Capable de... verrouiller la calamité. Et il est prévu par cette prophétie... qu'un héritier Ebonheur scelle la calamité à nouveau. Le problème, c'est que cette famille de génies a oublié où était le sceau. Parce qu'évidemment, ils se le sont dit de manière orale et c'est des incapables et ils ont oublié. Et ils n'ont même pas écrit dans un livre, un truc aussi important. Bon, j'ai quand même fini par retrouver le sceau en me baladant à travers les troves. Je l'ai retrouvé avec quelques amis il y a 35 ans. Le sceau était intact, donc on n'y a pas fait quoi que ce soit, mais l'escorte Grove était déjà dangereuse. Et malheureusement, j'ai perdu deux de mes alliés. Et deux alliés avaient un jeune enfant. Et tout juste de naître. Vu que la prophétie était accomplie pour moi,
J'ai décidé de m'occuper de cet enfant pendant quelques années. Puis, j'ai quand même continué mes recherches. Je n'étais pas sûr de ce qui se passait. J'ai redécouvert, cette fois, les livres concernant le sceau. J'ai redécouvert les recherches concernant les sceaux. Mais j'ai aussi vu les traces de l'arrivée de la calamité. C'est donc mon devoir de continuer ces recherches, de continuer à travailler sur ce sceau, à essayer de trouver le meilleur moyen de forcer et de verrouiller la calamité à jamais, afin qu'il n'y ait plus de cycle. Il y a de ça quelques mois, lorsque je pensais enfin avoir trouvé la solution, je suis retourné sur le site du sceau. Sauf que celui-ci était affaibli, rougeoyant, embrasé. Lorsque j'ai essayé de le renforcer, j'ai senti la magie céder. Je me suis donc enfui, sachant que j'avais libéré la fin du monde. J'ai essayé de corriger mon erreur. Au début, j'ai essayé de chercher dans toutes ces données anciennes que ma famille avait. Le sceau, le renforcement, l'artefact utilisé avec, la clé de tout, qui est le Boréalus, mais cet artefact, j'ai jamais pu trouver sa localisation ou quoi que ce soit, il a complètement disparu. Alors je me suis tourné sur ce que je savais faire de mieux. Après tout, la calamité était déjà surgie maintenant. Elle était en train d'embraser les terres. Tout ça à cause de moi. Je suis retourné à l'Avium pour poursuivre des recherches sur la nécromancie. Comment créer quelque chose capable de siphonner son énergie pour, après tout, la faire disparaître. Ça serait plus simple que de la sceller. Sauf qu'on ne peut pas la faire disparaître. Et une créature que j'ai créée, je n'arrivais plus à obtenir le contrôle. Elle est devenue dangereuse. J'étais sur le point de travailler pour comment la détruire, mais je n'y arrivais pas. Lorsque vous m'avez surpris dans mon laboratoire, j'ai essayé de faire porter le chapeau à cette professeure qui faisait des travaux avec le Necronomicon Ex Corvis. Une élève brillante, mais un peu bizarre, qui n'avait pas trop de limites morales, m'a aidé à faire porter le chapeau à cette paire et à détourner les soupçons. Et maintenant vous êtes là. Je n'ai pas de solution pour la calamité, si c'est ça que vous cherchez. Bah si. La solution, c'est soit vous, soit des enfants à vous. Enfin, si j'ai bien compris, c'est pas de votre faute s'il y a la calamité. Vous avez parlé de cycle. Ça devait arriver. On est même censé pouvoir la bloquer. Pouvoir faire en sorte que le sceau tienne. Oui, bah, c'est dit aussi que c'est soit vous, soit quelqu'un de votre famille qui devait la tuer. Vu toutes les recherches que j'ai faites dans ma famille, croyez-moi que je ne crois plus aux contes et légendes, et encore moins en leur... En leur esprit, oh, ils sont tous cinglés. Et
Si j'ai une question, ça n'a pas un rapport. Je suis désolé, Alma, je te laisse parler juste après. C'est qui l'enfant que vous avez sauvé et élevé? Et juste Riffin qui, du coup, vous regarde. Bah, ça y a des chances que ce soit moi. Oh. Je te rappelle, il a résisté lui ou pas? Peut-être un mensonge, hein? Nope, il n'a pas résisté. Oh. Ok. Et quand même revisité de temps en temps. Tu étais plus grand. Je l'avais laissé une amie de voyage. Je sais pas si vous la connaissez. Une sorcière du nom de Suzanne. Suzanne. Ça me dit quelque chose, Suzanne. Disons qu'elle a... C'est pas celle qui a invoqué le démon, là ? D'après ce qu'on m'a raconté, en effet. Elle a oui, tendance Suzanne, à faire des invocations c'est... un peu complexes. C'est la personne qui nous a vendu des potions et qui a tenté de nous lire l'avenir en invoquant un diable. C'est bien son genre d'essayer de voir ce qui ne peut être vu ou de demander à d'autres types de voir pour elle. Il y a des savoirs qui ne vont ne pas connaître. Est très, très gentil aussi. Mais j'aurais une question. Serait-il possible de savoir où est-ce qu'elle saute si vous n'êtes pas capable, vous, et si vous ne vous sentez pas à la hauteur de réaliser ce renforcement? Il faut bien que quelqu'un le fasse. Si vous pouvez nous fournir toutes les informations possibles, ça nous arrangerait grandement. Je peux vous indiquer où est le sceau. Je pourrais même vous y mener, si vous le souhaitez tant. Au moins pour me racheter. Mais sans la clé du sceau, sans le Boréalus, il est inutile. Évidemment. Et parmi vos recherches, vous n'avez pas ne serait-ce que trouvé une piste? Le carnet qui en parlait appartenait aux Tenders. Le problème, c'est que ça reste les Tenders, et si vous ne faites pas partie de leur rang, ils ne partagent pas leurs secrets. C'est bien là le seul cas où Ova sera plus intéressante que moi. Vous connaissez quelqu'un des Tenders? Bon, on a travaillé pour eux. Enfin, avec eux. Puis bon, il y a Tevor aussi. Tevor, il est gentil. Une relation familiale, on peut dire. Alors peut-être. Peut-être que vous trouverez des réponses. Vous voyez du coup qu'il baisse la tête. Et Riffin s'approche de lui. Donc si je comprends bien, tu m'as abandonné à tante Suzanne quand j'avais 5 ans, t'es revenu de temps en temps pour checker, mais tout ce temps, t'as pas cru bon de nous dire quoi que ce soit à propos de cette prophétie ou de ces voyages, etc. Mes parents sont morts de ce que tu me dis de ta première expédition, et t'as jamais jugé bon de me le dire? Il y a Odvald qui commence à s'effondrer un peu plus dans sa chaise. Je sais que ce que j'ai fait est mal, mais j'ai une raison. Je devais empêcher ça. Je suis désolé, Riffin. Vraiment. Mais tu dois comprendre aussi ce que je devais faire. C'était mon devoir. Griffin ne dit rien. Tourne les talons, sort de la pièce. Nous n'avons plus grand chose à faire ici.
Nous devrions essayer de retrouver notre membre perdu et rejoindre un endroit pour discuter de la suite. Mais pourquoi il est parti, oui, c'est vrai, Mira, en fait? Bah non, mais elle n'est pas partie, elle a dit qu'elle venait ici. Enfin, je crois que... Vous avez dit qu'elle viendrait ici. Elle voulait discuter seule à seule avec mon frère. Oh. Elle aurait pu le dire. Tu sais comment elle est. Très impulsive. Ouais, c'est pas faux. Un peu comme Monsieur Eponard ici avec ses jambes rapides. Laissons-le. Ça, t'aurais pu le dire avant qu'elle avait des discussions à faire. Je crains que ça se soit passé plutôt rapidement. Précisément, si mon souvenir en est bon, en 6 secondes, à peine. De quoi? Disons que elle est venue parler à mon frère, puis d'un coup, je ne sais pas pourquoi, elle a crié le nom des Bonnart et a semblé prendre peur. Et mon frère, elle allait la chercher. Ils vont discuter. On les retrouvera ce soir au manoir, très certainement. Bah oui. Bah elle a crié Bonnart parce qu'elle l'a reconnu, les Bonnart. Certes. Puis si elle avait si peur que ça, elle avait qu'à me demander. Il se fait tard et il serait de bon ton de... Je pense que je suis assez capable de protéger des gens. Avec autant d'informations, il serait bon de tout recouper et nous serons bien plus à l'aise au manoir. Ça leur donnera le temps, vu qu'il est si tôt, de préparer quelque chose pour ce soir. Maintenant que Moira n'est plus là, je suis certain que mon frère n'aura pas d'opposition à ce que je vous ramène à la maison. Comment ça, elle est plus là? C'est lui qui la ramènera, c'est ce que j'entends. Et la folle lui incombera. Sortant de la pièce, vous allez voir deux choses. Ebonheart est actuellement en train de pleurer. C'est notamment Goupil qui va le voir assez rapidement. De toute manière, tu reconnais un peu cet état de honte et de... comment dire ? De douleur et de partage qu'il ressent. D'ailleurs... Oui. Moi, je reste dans la pièce. Tu restes dans la pièce ? Ouais, je lui parlais. Et lorsque vous ressortirez de la pièce, vous verrez du coup que Griffin est un peu dans le même état, même si lui a l'air d'avoir plus une sorte de colère sourde. Avant de sortir, moi, je ferais juste à Oswald une petite tape sur l'épaule. T'inquiète, ça va aller. On s'en occupe. Et puis je sors et puis je vais rejoindre Griffin. Yep. Qui sort de la pièce, qui reste dans la pièce avec Oswald? Je vais rester avec Oswald. Ok. Je vais rester avec eux également pour accompagner Robin. Vous restez tous les trois, d'accord. Tu peux dire ce que t'as envie de dire ou les autres, vous pouvez interagir avec... Bah moi je vais me mettre en retrait parce que j'ai envie de lui parler et... Alors, en soi, c'est pas nécessaire de le faire sans personne, mais si t'as quelque chose à lui dire, vas-y. Humine. Par rapport à vos études de nécromancie, votre grimoire, là. C'était pas vraiment mon grimoire. C'est vous qui l'avez fait, j'ai l'impression du contraire. Je l'ai complété. Il existait déjà avant. Un des pionniers. On apprend des choses. Vous avez aidé la professeure de nécromancie... Vous avez fait porter le chapeau à la professeure de nécromancie. Vous étiez au courant pour son élève? Son élève était juste une élève brillante qui en soi était très intéressée par la nécromancie, mais comme je disais, elle avait un problème de limite orale. Je me suis donc limité à lui donner des bouts de recherche qu'elle a partagé avec la professeure.
m'a demandé est-ce qu'elle en fasse un carcan. Donc c'est pas vous qui lui avez appris comment mettre une âme dans un squelette? Pardon? Vous m'avez entendu? Je suppose que je dois ajouter ça à la liste de mes fardeaux, alors. Ouais, ok, bon. Je vais aussi poser la question au cas où, même si vous m'avez déjà un peu répondu. Vous êtes au courant pour le culte de Crane? Et qu'est-ce qu'ils font encore? Bah, ils font que les élèves brillants, ils mettent des âmes dans des squelettes. Et au culte de Crane. C'était une cultiste. Vu qu'elle s'est suicidée en affirmant son allégeance, j'ai envie de dire oui. Ils sont de plus en plus barjots là-bas. Ah, parce que ça fait 20 ans qu'ils font des dingueries. Et de plus en plus dangereux. Ils faisaient quoi il y a 20 ans? Ah, pas grand-chose. Ils se sont mis en recherche d'un vieux grimoire. Mais... Vous auriez le nom du grimoire? Oui, grimoire du corbeau blanc. C'est une relique qui était oui, je sais. Très très loin. Et qui a fini enterré sous Ashbarrow plusieurs fois. Elle est plus sous Ashbarrow depuis un moment maintenant, mais oui. Ah bah, vous en savez plus que moi. Bah, peut-être pas sa légende, enfin, je sais pas ce que vous avez lu ou quoi que ce soit. Oh, dites toujours quoi. Oh, je me doute qu'on est la même, mais. Le livre amènerait savoir encyclopédique à quiconque lui demande. Oui, bon, on a la même. Et bon, et ben. Non, vous en aurez rien à faire, mais. Sachez il nous serait utile. Nous serait très utile. C'est soit le culte de Crane, soit une bandit totalement tarée qu'il a. Vous savez où il est? Qui l'a? Oui, alors attendez, elle s'appelait... Shiladen. C'est une prêtresse de Crane. Peu importe son nom! Si vous le retrouvez et que vous lui demandez quelque chose à propos du Borealus, peut-être qu'on saura sa localisation. Oui, alors vous n'avez pas entendu quoi dans « Elle est avec le culte de Crane » ou « Elle est totalement tarée ». Elle fait partie du culte de Crane, nous en avons la preuve. C'est elle qui a éduqué... Vous avez détruit ma créature! Oui, alors, au passage, pour votre créature, elle était un peu faiblarde comparée à la vraie calamité. Et numéro 2, le culte de Crane semble vachement plus puissant ces derniers temps qu'il y a 20 ans. Vous avez vu le livre quand? Puisque vous savez qui l'a. Oui, on l'a vu il y a un mois et demi. Environ un peu plus de 3 semaines. Vous l'avez vu? Oui, bah, il y a un mois et demi, quelque chose comme ça. Imaginez le nombre de connaissances qu'ils ont pu en tirer. Peut-être des sortilèges impies, peut-être des choses terrifiantes. Alors, ça tombe bien que vous en parliez parce qu'on cherche des alliés pour aller nous aider à le récupérer. Genre des mages surpuissants qui seraient en cachette depuis 30 ans. Oui, par exemple, et qui se plaignent, mais qui font pas grand-chose. Je recherche des moyens de détruire la calamité. Alors, est-ce que vous pensez que le grimoire fait corbeau blanc est un moyen de détruire la calamité? Il est un moyen d'atteindre la clé. Et bah super, comme ça nos objectifs s'alignent. Embarquant. Malheureusement, s'il met... Après tout, je dois être recherché un peu partout maintenant, non? Pas encore. J'ai blessé un enfant, instruit un cultiste... Ça dépend de quelle forme vous êtes recherché. Il n'y a qu'à l'avium que les gens le sachent. Le savent. Oui, j'allais te corriger, mais je me suis dit que tu savais, Almas. Et c'est grâce à ça que vous vous rendez compte que je peux dire de la merde, moi. Et pas vous. Et pire que tout, j'ai blessé Riffin. Et je vais approcher, je vais mettre une main sur l'épaule.
Vous savez, les relations familiales sont parfois compliquées. Mais de toute façon, ce sont parmi les seuls qui ne sont pas brisables. Il est toujours possible de faire preuve de rédemption. Croyez-moi, nous avons voyagé avec un Jules Pin qui nous en a montré la totale capacité. Profitez-en, il vous reste encore un peu de temps où vous êtes encore forcé à dire la vérité. Lâchez ce que vous avez sur le cœur, même une fois que nous serons partis. Cela vous aidera certainement. Pas forcé à dire la vérité. Jusque le poids était trop lourd. Parce que voir Griffin m'a permis de libérer un peu tout ça. Je vous ai forcé magiquement. Arrêtez de sous-estimer mes capacités. Ah, ça. Si vous voulez que ça se termine maintenant. Et il le dispelle. Ah, je suis à deux doigts de sortir mon épée, sans déconner. Il fait beaucoup trop le mariole pour quelqu'un qui était en train de pleurer, parce qu'il a fait n'importe quoi il y a 2 secondes. C'est juste que pour lui, dans son état là, actuellement, il a entendu genre un truc, si vous... enfin, je vais l'arrêter, etc. Juste, il l'arrête pour toi. Je suis certain que vous êtes parti la dernière fois avec des recherches supplémentaires. Vous ne les avez pas laissées à la vieille main. Serait-il... C'était mes recherches sur ma création. Même. Oui. Serait-il trop de vous demander de nous les fournir? Cela pourrait nous aider. Elles sont bien trop dangereuses pour tomber entre n'importe quelle main. Je préfère largement les brûler. Après tout, vous avez bien vu, je n'ai même pas réussi à la contrôler, cette chose. Pas entièrement. Certes, puisque vous n'étiez pas un mage assez puissant. J'essayais d'affronter la calamité à armes égales. Il n'y a aucune insulte dans ma phrase. Il est juste possible que toute connaissance soit bonne à prendre, mais pas forcément à enseigner. Le savoir doit se transmettre aux personnes qui le méritent. Alors, laissez-moi garder ça pour moi, elle transmettra seulement ce qu'il mérite ou le détruire. C'est vos recherches, c'est votre savoir. Venez, prenez ce mouchoir. Et je vais étendre un mouchoir en soi. Okay. Nous devons partir, si jamais vous nous cherchez, nous serons au manoir des Astéries. Bah, je serai là. Prévenez-moi si vous partez pour quoi que ce soit. J'essaierai de vous aider du mieux que je peux trouver les clés, les traces. Si jamais vous avez un problème, je vous laisse mon familier, enfin dans mon cul. Et je lui laisse les pugs dans un coin de la pièce. Tu vois qu'il va s'approcher de l'Ipug. Curieuse création. Ouais. C'est un renard mécanique. Très intéressant. Un beau sujet. Le dispel magique. Non. Ah. Sur ce, on va vous laisser ruminer en paix. Si vous voyez Riffin, dites-lui vraiment que je suis désolé. Honnêtement, vous devriez lui dire en personne. Les relations. Vas-y. C'est pas comme s'il était très loin en plus. Et puis, Maître Bonnard, les relations sociales sont mon savoir. Je les transmettrai à ceux qui le méritent. Et je vais sortir de la pièce. Il con. Ce que tu vas entendre par message dans ta tête. Vachement. Moi, j'ai pas libéré la calamité. Hein. Oui. Et il a clairement besoin d'aide au niveau de ses relations sociales. Ok. Sur ce, alors que vous sortez de la pièce, il y a donc Riffin à l'extérieur. Vous voyez qu'il est sorti du manoir, même lui. Il a fini par sortir du manoir.
Juste, quand vous sortez, vous entendez ruminer, comment un être aussi intelligent peut aussi être aussi débile? Je voulais pas vous faire du mal. On peut se comprendre. Il a tout fait tout seul. Il a toujours voulu faire tout seul. Pourquoi? Parce qu'il a toujours été tout seul. Il a pas été tout seul. Il y avait mes parents avec lui. Il y avait Suzanne avec justement. Lui. Enfin, après la mort de vos parents, il s'est peut-être senti responsable. Oui, il est resté 5 ans auprès de moi et après il m'a abandonné. Et il est reparti tout seul. Oui, pour pas que vous le suiviez, pour pas que vous mouriez avec lui. Je sais pas, hein. Et pourquoi quand j'étais en âge, quand j'ai commencé à combattre, que je me suis baladé, que j'ai combattu aux côtés de Bena, que j'ai appris, que je suis devenu chevalier, il est pas venu me contacter. Que vous mouriez, il l'aurait sûrement pas supporté. Là, c'est bien simple, on va tous mourir maintenant. Bah non. Oh, je dis pas que je me battrai pas. Hein. Et là, vu comme c'est parti, apparemment, on a rien et on peut rien faire. La calamité va venir et va tout raser. Mais pas grave, au pire on partira en bateau. Ah, super. Je serai probablement pas le premier à partir. Ah, moi non plus. Mais je sais pas. Je sais pas que trop. Vous savez, j'ai appris avant de partir à l'avion. Que mon père avait pas fait des choses très très loyales dans la loi. Légal. Légal, merci. Mais il a fait ça pour me protéger. Je dis pas qu'il est pas en tort. Et arrivera un jour où il faudra qu'il accepte d'être puni. Mais je peux pas lui en vouloir parce que potentiellement que je serais né, que j'aurais grandi proche d'un endroit où il bossait, proche du danger, et bah, si j'étais mort, peut-être qu'il s'en aurait voulu, peut-être qu'il aurait pas pu vivre en plus, et peut-être que après ça ma mère serait morte, et qui sait ce qui aurait pu arriver. Et bah, les plus heureux dans tout ça, ça aurait été les parents de Goupil. Bah, ça, pour sûr, ils auraient eu leur magasin dans les branches, et Goupil, il aurait été très content. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, on a appris que là où habitent mes parents, et bah, c'était à la base là où devait habiter Goupil. Mais qu'il y a eu des soucis... Mon papa apparemment a travaillé avec des gens pas corrects. Comme Queen Riker. Quoi? Est-ce qu'on arrive là ou pas? Oui, probablement, vous êtes là, ouais. Tiens. En entendant le nom Queen Riker devant le commandant de la garde, je vais me rapprocher, je veux dire. Ce sont des affaires qui sont complexes. Je suis certain que nous aurons l'occasion d'en parler dans un endroit un peu plus... Et je vais regarder autour de moi. Sécurisé. Ah, vous êtes là. Mais... Oui. Tu vois Riffin qui regarde... Juste qui montre autour de lui en tournant. Le champ dévasté, le manoir en ruine derrière. J'avoue qu'on pourrait faire des endroits avec plus de monde, mais... Comme vous le souhaitez. C'est juste que... Nous nous sommes fait avoir plusieurs fois par des gens mal intentionnés ces dernières semaines. Je préférais éviter et prendre toutes les précautions possibles. Oh. Mais c'est très secondaire à notre histoire. Vous savez quoi? Moi, je vais aller rapidement me vider la tête.
faire un tour, probablement aller au temple de Titon, adresser une prière à mes parents. Il y a un temple de Titon ? Il y a un temple de Titon assez massif ici. Il n'a pas suivi le cours que je dispense depuis 3 jours. Non mais ce frôle, c'est pas qu'il a pas suivi, vous le savez très bien, il fait de son mieux. C'est-à-dire que toi par contre tu connais toutes les rues maintenant. Et le nom de toutes les rues de tous les temples. Moi je connaissais déjà. Je connaissais avant, déjà. Ah, mais, je sais, mais depuis que t'es parti, il y a eu quelques changements, t'es au courant de tout ce qui s'est passé, genre. Et je sais que votre voisine a un chat, c'est bon. A donné des cours, Almost. Ah mais c'est pour ça que tu parlais autant. Oh non, bon, je t'écoutais pas. Il y en a autant de temps, il pas. Il me donne trop mal au crâne aussi. Il s'agirait d'apprendre à ne pas parler autant. Il est possible que tu causes des problèmes, pas à nous. Nous sommes assez compétents, mais tes parents pourraient souffrir de ce que tu racontes à certaines personnes. Bah, c'est vrai, puis dans tous les cas, le conseil, il est un peu au courant. Mais comme, comme on n'est pas sûr exactement de ce qui s'est passé et tout ça, on ne m'a pas demandé... Non, rajoutons pas. Certaines personnes sont sûres de ce qui s'est passé. Juste Riffin qui vous regarde, qui fait « Je sais pas dans quoi vous vous êtes embarqué. » Enfin, dans un problème qui est la calamité, ça j'ai bien compris, mais maintenant, en avoir une part. Disons juste que Kaja n'était pas la seule pomme, comment dire, pourrie. Oh bordel. Mais qu'importe, nous verrons une fois que nous serons à Eldorath. Ouais, sur ce, hein, et puis lui, il va se balader. Il part. Allez, bourre un coup. Vous devriez prendre quelque chose de fort et rejoignez-nous ce soir. De préférence pas ivre non plus. Nous serons en bonne compagnie. Il part. Sur ce, on va conclure cette partie. Donc Moira, tu es pour l'instant en ville, quelque part. Disparu. On reviendra du coup à la prochaine. On se demande. Pour chasser par Beleni ou pas, on verra. Ou les autres, il y a eu du coup un peu de reveal. Et puis, ce que vous décidez de faire du coup avec Riffin ou avec Odvald ou avec vos questions des événements. Moi je pense qu'on livre Moira à Riffin, on livre Odvald à Riffin, on livre tout le monde à Riffin. Bah, je pense, ça va falloir surtout livrer Frol, parce qu'il vient vraiment de dire « Mon père est un énorme criminel devant le commandant de la garde, quoi. » Non, mais j'avoue, vraiment, on livre Frol aussi à Riffin. Je pense... Mon père est un criminel qui a bossé avec le parrain de la mafia. C'est vraiment la pire balance que j'ai jamais entendue, dans le sens... c'est genre la pire balance dans le sens « ça en fait trop », et dans le sens « il se rend même pas compte qu'il balance », dans les deux pires. Non, mais c'est ça, lui, c'est le... Non, il y a un naturel balance. Je suis en train de monter un dossier depuis une semaine pour virer quelqu'un. Il va le virer sans faire exprès, juste en balançant son père. Je crois que Frol, en fait, genre chaque semaine qu'il passe, in-game, il perd plusieurs points en sagesse. Mais ça, le pire, c'est qu'il a de la sagesse quand même. C'est pour ça que j'ai dit qu'il en perd en fait. Oui. Mais c'est qu'après qu'il va se rendre compte qu'il a fait le con. C'est ça, c'est. Quand il verra ses parents se faire embarquer au fer. Il a fait un flamme, c'est vrai que c'est moi qui les ai balancés. Terrible. Ah, c'est vrai, bon, ce que allez, j'ai dit, sur c'était ce, préjudiciable. On va se donner rendez-vous vendredi soir, 21h, pour Strad. C'est pas marrant. Ah, tu démarres Strad, ça y est. Ouais, ça y est, on commence. On démarre Strad vendredi, je suis... Let's go. Et sinon, samedi 15h pour la suite de Valkynia et fin de l'acte 2. Yes. Avec un dragon, let's go. Yeah. Et suite d'Humblewood de mercredi prochain à 21h, comme toujours, sur ce pod soir. Ça. Et plein de bisous. Ciao, ciao. Yeah, bisous. Ciao.